C'est bien là la soirée compote mmh. C'est Refus, il m'a invité à une soirée compote Complot. Salut tout le monde! Comment ça va? Alors, est-ce que le son marche? Oui, le son a l'air de marcher. Je vais essayer de faire en sorte que ça sature pas trop parce que j'ai tendance à gueuler comme d'habitude. Alors, le son, ça marche. Euh, L'écran, il est là. J'espère que les commandes sonores marchent. <laughs> J'espère que tout va bien. Alors, les gens, comment est-ce que ça va un petit peu? Hein, ça y est, c'est le week-end, on est tranquille. Salut Rachel, comment va J'espère que tu m'entends, <laughs> qu'il y a du son et que ça marche. <laughs> Parce que bon, euh, bon c'est pas comme si mois dernier là, j'ai parlé 20 minutes dans le vent, le micro on marchait pas. Ça va, un peu fatigué. Oui, j'ai cru comprendre, <laughs> j'ai cru comprendre que t'es allé crapahuter euh, à droite à gauche. J'ai vu quelques photos. Je <laughs> me sens pas du tout catalogué. <laughs> Ça va, pas la peine de crier, je suis pas sourde, ça marche bien. Mais je crie pas Et Là j'ai saturé le micro. Non, si c'est trop fort ma voix, faut que je baisse un peu. Mais euh, ça c'est ma fâcheuse tendance à parler fort, qu'est-ce que vous voulez J'ai presque envie de dire c'est le côté italien, mais bon, voilà. Bon, comment ça va Comme ça a été dit... Euh... Non, ça va, je peux baisser aussi le son. Alors, comme euh, j'ai fait un sondage hein, sur euh, Twitter pour savoir qu'est-ce qu'on boit ce soir, bon, vous avez voté le cidre. Donc, on a le cidre. Et oui, les gens, je bois le cidre dans une bolée, moi. Hein je suis quelqu'un de civilisé, faut pas croire. Ah, c'est bon ces cochonneries. Alors, les enfants, ne buvez pas d'alcool. Devenez une rockstar, on vous la donnera gratuitement. Si tu as les références, c'est que tu es quelqu'un de bien. T'as raté le Oh, c'est pas grave. Hein. Est-ce que je bois du cidre ou ma ce soir Bon, bah les gens ont voté pour le cidre. Donc ce soir, ça sera cidre. <laughs> Pardon. C'est que t'as pas assez regardé Love Actualis si t'as pas la référence. <laughs> <laughs> et si t'as pas vu Love il faut que tu le vois. Et je dis ça, et c'est une comédie romantique. Et c'est moi qui dis ça qu'il faut regarder la comédie romantique. Hein. C'est moi qui dis ça. Alors, et je vous dis. Ah, ça, ça y est, je suis déjà ivre. J'ai le hockey. Et je vous dis pas de regarder ce film parce qu'il y a Liam Neeson ou Alan Rickman, euh, Colin Firth. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et eh ben, tu vois, je suis pas fan du tout non plus. C'est Franchement moi, les comédies romantiques, euh, c'est pas trop mon genre. Mais euh, ce film est, est super intéressant. Parce qu'en fait, ça te recoupe plein de petites histoires euh, entre divers personnages. Et euh, c'est plutôt sympa. Alors, c'est pas le meilleur film de la galaxie, hein, le truc euh, qu'il faudrait absolument emporter sur une île déserte. Hein. Mais euh, ça reste sympathique. Puis il y a un, super ca il y a un casting de ouf. Oui, euh, il, y a, il y a Alan Rickman, il y a Liam Neeson, Fff, Colin Force. Euh, merde, son nom m'échappe, celui qui a joué Bilbo dans Le Hobbit. Euh, bon, il y a Kara Knightley, j'aime pas Kara Knightley, mais bon, voilà. Il y a Emma Thompson, euh, il y a Rowan Akitson, euh, il y a Hugh Grant. Euh, pff, voilà, il y a. C'est un très, un très gros casting et quand même un bon film. Avec beaucoup d'humour, et puis. Euh, Hugh, Grant, euh, Hugh Grant qui danse dans ce film, pardon, mais c'est mythique. Moi, tu sais, en comédie romantique, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'aime bien Love Actually, et j'aime bien euh, Kate et Léopold. C'est assez rare, mais Kate et Léopold. Mais bon, parce que, euh, parce que Hugh Jackman est super dans ce film, hein, mais. Enfin, euh, pas forcément sur le physique. Je suis pas forcément fan de Hugh Jackman sur le physique, mais. Yeah, il a un charme et une manière de mettre, en charme, de mettre en jeu ce charme dans le film qui est plutôt pas mal. Oh tu es une honte, Rachel. Surtout que Kate et Léopold, moi je lui trouvais des qualités. C'est que justement Kate et son ex, là, le, le mec qui rapporte Léopold, ils sont... Enfin, ils sont encore amis, il y a une certaine forme d'amitié entre eux, de... C'est pas euh, dans, les, dans ce genre de comédie musicale ou d'habitude euh, euh, dans, dans les trucs, c'est ⁇ Ah, je te déteste, nia 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 ⁇ Là, c'est autre chose en fait. Et j'avais trouvé ça, enfin, je trouvais ça personnellement plus intéressant que euh, qu autre chose. Non, mais cette fois, Sally, tu m'as pas eu. Cette fois, Sally, tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu. C'est bien que j'ai chercher le spoiler pour savoir comment finit le film histoire de ne pas perdre mon temps. Ah non, c'est pas complot, c'est compote. Et euh, bon, bah, c'est une comédie musicale romantique. Hein, normalement, ça finit bien. Hein. D'ailleurs, du coup, je sais pas Rachel, quand t'es arrivée, euh, est-ce que tu as entendu la musique de générique? Ça c'est une bonne question. Je pars bouder. Bah le problème c'est que je regarde le chat. Ça marche pas les commandes vocales Bah si, si moi j'ai entendu, j'ai entendu. Ouais, d'accord, OK. Donc OK ça. Alors là c'est une musique libre de droit que j'ai pris parce qu'en fait quand je lance euh... bah Attends, je vais refaire le truc mais je vais perdre le micro parce que j'ai pas le micro mais normalement quand je vais lancer la scène euh, normalement, euh, enfin, vous allez voir. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je change de, de panel. C'est bien là la soirée compote mmh. C'est refus, il m'a invité à une soirée compote Complot. Vous Vous entendez pas les commandes sonores Putain, comment ça se fait Moi, je les entends. Qu'est-ce qui se passe encore Pourquoi vous n'entendez pas les commandes sonores Ah moi bon, je les entends hein Pourquoi il n'y a jamais rien qui marche Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui marche C'est bizarre hein Oui, je suis bien sur le compte de Xian. <coughs> euh, bah, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça marche pas non, Ça marche pas. Moi, je les entends, les commandes sonores. Attendez, attendez, oh attendez, attendez, réessayez là, pour voir si ça marche, réessayez, pour voir. Je sais pas si c'était ça, mais c'est bien là la soirée compote. Hum c'est refus, il m'a invité à une soirée compote. Complot. Ça a marché là? Voilà, parce que dans mon OBS. Dans mon OBS, j'ai toujours... vu que l'audio du bureau fonctionnait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est pas lancé J'en sais foutre rien, mais c'est peut-être pour ça. Non, je me suis dit c'est disco, mais non, en fait c'est Boris, mais. Ce soir, Boris événement, c'est soir disco. Oh, oh, oh. c'est bon, ça marche. Bon, au ben, moins une bonne chose de faite. Au moins on va pouvoir s'amuser un peu. Bon, alors les enfants. Ah, alors s'il y a des gens euh, qui sont jamais venus sur mes sur mes lives et qui savent pas, donc aujourd'hui soirée compote, on va s'éclater à faire des arbres généalogiques. Ouais, vous la, vous la sentez ma joie, mon bonheur et la félicité de faire ça. Ouais. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une putain de famille noble de France. Un truc de fou qui sont les moments Alors, on va pas se mentir. Clairement, on va pas faire l'arbre la de toute la famille parce que la famille commence à se distinguer à partir du euh, 9e siècle. Donc, autant vous dire que ça a foisonné, un truc de fou. Et que euh, je suis presque à peu près certaine que vous connaissez tous un, un mec qui vient de cette famille, enfin par mariage, alliance et autres conneries. Parce qu'il y a un moment aussi qui est très très connu et qui n'est pas forcément dans ce dans ce dont on va parler tout à l'heure. Euh, C'est un mec qui s'appelle Guy de Laval. Alors le mec, son nom, ça vous dit. Euh, ça vous dit rien comme ça, enfin, guidons Gilles, plutôt Gilles de Laval. Ça vous dit rien comme ça, euh... Gilles de Montmorency-Laval. Ça vous dit rien comme ça. Mais par contre, si je vous parle de Gilles Doré, peut-être que ça vous parlera un chouïa plus. Eh ben oui, parce que le Gilou, le Gilles Doré, il est, euh, il, il est dans, le, dans la famille des Montmorency. C'est à Montmorency-Laval. Nanana. Gilles Doré, ouais, c'est ça, le Gilou. C'est à Montmorency-Laval. Alors, on va pas se mentir, j'ai essayé d'aller regarder un peu comment on pouvait faire les connexions, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai abandonné. Hein. Donc, clairement, on va pas s'emmerder à remonter euh, trop loin, hein, parce que bon. Euh... Mais pourquoi on va pas parler de lui Parce qu'il est trop loin. Parce qu'il est trop loin dans le temps, le, goût, le, le con. Il est beaucoup trop loin, et euh, franchement, euh, je suis pas sûre d'arriver à faire les raccords. Donc on va pas aller jusque là, hein. ça, ça, remonte, euh, bah ça remonte sur du médiéval. Euh, nous on s'arrête avec, euh, on va dire l'époque moderne. J'ai l'impression que les, 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 les médiévistes et les modernistes battent un peu pour savoir si le 16 16e euh, c'est encore euh, si c'est du moderne ou du médiéval. C'est bien. Ah je dis pas que c'est pas bien le médiéval, hein, mais là c'est pas du tout ma branche. Et puis putain, on so n'a pas sorti le cul des ronces hein, s'il faut qu'on a le remonter jusque là-bas. Hein. Parce que du coup, pour préparer ce live, un, un petit peu, j'ai lu un bouquin. Qui, bien sûr, j'ai laissé sur mon canapé parce que sinon, euh, j'aurais bien préparé ce live. Et euh, <laughs> genre, je prépare bien mes lives. Et euh, donc voilà, il y a l'arbre généalogique de, y a des bouts d'arbre généalogique et c'est sacrément le merdier. Parce que bon, euh, ces gens, ils se marient, la meuf, elle meurt et qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils se remarient. Donc ça fout la merde. Mais vous verrez, quand on va être dans l'arbre, euh, vous allez la comprendre, la merde. Hein ça va être infernal. Donc, nous, comme d'habitude, hein, on va reprendre un peu les bornes chronologiques qu'on a établies ici. C'est grosso merdo. Euh, on commence avec François Ier. Hein, je dis grosso d'eau parce que des fois, pour des raisons pratiques, on va juste la génération au-dessus, mais pas, pas tellement, pas des masses. Parce que sinon, on n'est pas du tout sorti des ronces, absolument pas. Donc nous, pour euh, les Montmorency, et eh ben je vais pas avoir commencé que ça va déjà être compliqué. Pourquoi euh, Parce que je pense que le euh, vraiment plus célèbre des Montmorency connus, et qui porte ce nom, hein, c'est pas comme notre petit Gilou, comme notre Gil Doré. Euh, bah, je pense que c'est un de mon Morris. Hein D'ailleurs, euh, je dis ça, je dis rien. Euh, rien qu'avec ce mec, tu fais une série, au moins euh, 4 saisons de, je sais pas combien d'épisodes. Hein, c'est un truc de fou. Donc, on va pas se mentir. Euh, dans ce live, les biographies des Morris, on va, pour beaucoup d'entre eux, on va les tronquer à mort. Parce que sinon, clairement, je vais pas m'en sortir. Hein? Le, le Han de Montmorency, là, pardon, il a eu 15 vies dans une vie, donc euh, c'est trop compliqué. Je peux pas... Euh, je, je peux pas. C'est pas possible de tout, euh, de tout résumer. D'autant plus qu'on est au 16e siècle Qu'est-ce qui se passe au 16e siècle Qui fout la merde partout en France Et non, c'est pas que les guises Ça peut, mais pas que, pour le coup. Hein Qu'est-ce qui fout la merde pendant tout le XVIe et non, Rachel, tu peux pas dire les guerres d'Italie. Ça marche pas. Les guerres de religion, oui Les guerres de religion Et ça, c'est la merde Donc, voilà, comme c'est tous des personnages qui gravitent dans les conflits. Bah, c'est la merde. Et c'est la chiasse. Donc, on va pas euh, forcément trop s'attarder, hein, parce que quand tu lis les trucs, c'est. Oui, et à la bataille de trucs, et à la bataille de bidule, et t'as la bataille de trucs mûches. Putain, mais moi, je sais pas c'est quoi ces batailles. En Italie, ils se battait juste pour les serres, pas pour la religion. Ouais. Ouais, mais c'est bien le merdier aussi, les gars d'Italie. Hein. C'est bien la merde aussi. Donc voilà. Donc. On va surtout, enfin, on va surtout axer. Là, ce soir, on va commencer avec lui. Je sais pas si on va finir, parce que... Là voilà! <laughs> voilà! Hein? En sachant qu'en plus, pour comprendre, j'ai dû faire deux apartés. Hop là! Donc, voilà, c'est un peu long, un peu grand, un peu le merdier. Hein? Parce que ces gens, ils font plein de gamins, ils se marient, ils se remarient, et c'est chiant. Okachan a dévoré l'arbre cette fois Non, celui-là, c'est celui qui est au propre, donc j'ai fait attention de bien le ranger. Donc euh, Soissons euh, de Guise ne n'a pas mangé euh, la deuxième partie. Parce que oui, je dis que là, l'arbre est en deuxième partie, hein. c'est marqué dans le titre, hein, et j'ai des moments aussi, un sur deux. Anne. Donc là, on va s'occuper d'Anne, mais euh, en fait, quand j'ai commencé à bosser sur la famille... Euh, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que j'étende un peu par rapport à Anne. Parce que Anne, il a des neveux qui sont vachement connus, en fait. Donc, compte tenu des circonstances de la guerre de religion, ça paraissait compliqué de passer à côté. Voilà. Donc, on va être obligé de faire ça. Alors, autre chose. Euh, si ce soir, je m'amuse à faire ceux de Anne de Montmorency, euh, c'est pas juste parce que je prends mon pied merveilleux à potasser ces. Euh... C'est putain de famille noble euh, de mes deux Non, pas du tout. Absolument pas du tout. C'est parce que les gens, euh, il se trouve que mes so il se trouve que mes soirées compotes qu on euh, ont peut-être un peu porté leurs fruits, hein Miracle, on n'y croit pas. Et en fait là, ce que les arbres que j'ai fait, hein. Hop, merde, je suis pas sur le bon écran. Voilà. Hop, 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 hop. Oui, la Anne, il est là, en tout petit, mais. À mon avis, viens là, viens là Voilà, là c'est mieux. <laughs> là c'est mieux. Hop Je vous rappelle qu'on s'était bien fait flic avec euh, la maison de Lorraine, avec tous les connards de Guise qui se baladent ici hein, la maison ducale de Lorraine qui se balade là. On s'était aussi emmerdé avec euh, les Valois ici ici, là. Les bourbons, les bourbons et bourbons qu'on par là, hein Dessus, on s'était amusé à faire tous les bâtards de Henri K44, hein Donc, euh, voilà, Henri, il est là, le bordel absolu, parce que vous avez vu, ça se coupe ici, machin, enfin... Le bordel infâme, hein Bref, reviens par là, Anne, reviens là, hop, hop et du coup, ces arbres que j'ai faits, ils ont un peu tapé dans l'œil euh, de quelqu'un. Et en fait, ces bases d'arbres vont euh, servir euh, de base de travail pour un jeu de rôle qui ressort. Hop, je vous mets le petit lien par ici. Hop là. Donc, c'est Tedeum pour un massacre. Alors, il y en a peut-être qui connaissent, peut-être pas. C'est un jeu de rôle euh, qui a déjà des temps immémoriaux, hein. Et qui va ressortir euh, en financement participatif. Et euh, bah, moi, les arbres que je fais, ça va peut-être de permettre de situer aux uns, aux autres euh, qui est quoi, qui est comment. Et autant vous dire que ce n'est pas un luxe. Hein. Tout en sachant que, euh, on va pas se mentir, quand on va travailler sur l'arbre de celui-là, on va avoir quelques recoupements avec quelques noms qu'on connaît déjà normalement. Là, normalement, il y a des choses qu'on va déjà connaître. Oui, des choses qu'on va déjà connaître. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer. Anne, j'ai aucune idée si on arrivera au bout, parce qu'à mon avis, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on en aura plein le. Voilà. On aura bien la cervelle bien en compote pour le coup. Pour le coup, ce serait compote. Euh, ça, ça porte bien son nom. Et voilà, on va s'amuser un peu. Et euh, comme tous les autres arbres. Quand je vais mettre les enfants, je les mets pas forcément dans l'ordre de naissance. Hein donc, vous verrez, hein, euh, Donc le, le, le premier rejeton qu'on verra d'un de moment en si, il faut pas vous dire que c'est son enfant, que c'est le premier-né. Pas du tout. Hein je rappelle que j'étale les enfants en fonction de la facilité dont moi, je peux re, regrouper les arbres, les, les branches après. Parce que oui, c'est le merdier son nom. Hein et euh, généralement, alors pour le cas d'un de moment aussi, visiblement, je n'ai pas trouvé de mort -née. Donc euh, il a peut-être eu du, pu du cul, et enfin madame a eu du cul, et voilà. Euh, par contre, il y en a qui, enfin en théorie, ne servent à rien. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais comme ils ont pris part pendant les guerres de religion et que Tedeum pour un massacre parle des guerres de religion, je vais les mettre. Mais malheureusement, il a eu aussi trois filles qui vont, qui vont finir à baisse. Donc. Bon, voilà, on va esquiver un peu les trois filles. Hein. Je suis désolée pour elles, hein, mais ces trois filles-là, euh, on, on va les oublier un peu. N'engula. Le téléphone qui vibre et ça m'énerve. Donc, bon. Donc, voilà, donc on va peut-être pouvoir commencer à y aller. Donc, notre arbre. On va commencer avec. Euh, je prends mes notes hein, parce que ce c'est pas les personnages que je connais le plus puisqu'ils ne sont, sont pas dans les chimères. Alors euh, les moments aussi. Donc je vous ai dit c'est une vieille famille mais c'est surtout une famille qui gravite autour du pouvoir central et du pouvoir royal depuis vachement longtemps en fait. Il hein. Hein, y a plein de petites familles euh, de, de, de vieilles no ce dit, de vieilles noblesse qui existent mais qui n'ont pas forcément gravité autour du, du pouvoir royal et du pouvoir central, ce qui n'est pas forcément le cas des Montmorency qui gravitent euh, justement autour des rois depuis longtemps. D'ailleurs, le père de Anne de Montmorency gravitait déjà autour du pouvoir royal hein, et euh, quand même suffisamment assez proche parce que bon, il se trouve que notre petit Anne, euh, comme petit camarade de jeu avec qui il a bien fait mumuse. Et ben c'était François 1 Enfin, quand François 1 euh, s'appelait François d'Angoulême et. Ouais, François d'Angoulême, je dis pas de conneries mm -hmm. J'ai un doute. Bref, quand François 1 était petit, et euh, en fait François 1 a évolué dans un petit gang de mecs, un petit euh, boys club de quelques mecs, et Anne de montmorency en a... a fait partie. Donc. Autant dire que l'animal, euh, il n'arrive pas non plus de complètement nulle part et euh, bah, dès sa plus tendre France, il gravite bah, dans le pouvoir étant donné que bah, les rois avant François Ier, donc euh, Charles VIII et compagnie, ils sont pas foutus de faire des gosses. Enfin, ils ne sont, sur, sont surtout pas foutus de faire des garçons. Voilà. Euh, un de mon si je vous ai dit, sa vie, ça pourrait faire une putain de série télé avec plusieurs saisons. Et honnêtement, sur ce live, si on veut faire l'arbre, c'est impossible de vous résumer sa vie. C'est impossible. Hein vous voyez, moi, je me suis pas emmerdé sur notes, j'ai marqué vie riche et complexe, trop longue à détailler. Hein c'est juste pas possible. Alors, il a fait des guerres d'Italie avec François 1er. Euh, si ma mémoire est bonne, euh, le mec a réussi à sauver ses miches de pavie. Je dis réussi à sauver ses miches de pavie. J'ai encore des doutes, mais il euh, y avait beaucoup trop d'informations. Euh, Anne de Montmorency, putain, c'est juste pas possible. Alors il faut savoir que Anne de Montmorency, donc il était proche de François Ier, mais il va aussi être très proche bah, d'Henri II, donc le fils de François Ier. Euh, je dis qu'il va être proche. Euh, Henri II le considère presque comme un père. Parce que vous le savez peut-être pas, mais Henri II et François Ier, c'était pas forcément le grand amour, etc. Hein, je rappelle qu'Henri II, c'était le deuxième sur l'ordre de succession. Donc voilà, puis il y a eu cette histoire de captivité en Espagne, tout ça, tout ça, donc voilà. Mais il a été vachement proche de, de, euh, de un de Montmorency, ci qu'il le considérait comme un père, donc c'est pas que dalle. Euh, D'ailleurs, il me semble bien avoir lu que même les fils de Anne de Montmorency prenaient un peu jalousie de, de cette situation de fait, parce qu'ils avaient l'impression que leur père aimait plus le roi qu'eux-mêmes. Bon, hein, les enfants, hein, on, on les connaît. Euh, alors, évidemment, le mec, il a vécu une partie des guerres de religion, et il était plutôt axé, on va dire, pour le côté de la paix. La baston, à un moment, il a bien compris que ça fonctionnait pas, que ça foutait la merde plus qu'autre chose. Bon, il était catholique, hein, et plutôt bon catholique. Euh, mais euh, malheureusement, si pendant longtemps il s'est opposé à ces connards de Guise, alors pas Henri, hein, parce que forcément Henri était sûrement pas né, voire trop petit, mais euh, ceux au-dessus, hein. Euh, il s'est d'abord opposé aux Guise, parce que les Guise, eux, c'est des bons gros catholiques de merde qui aiment bien faire chier, hein, les Guise, quoi. Hein, vous savez euh, l'amour que je porte aux Guise, hein, ça, ça change pas pour l'instant. Mais bon, malheureusement, les circonstances ont fait qu'au bout d'un moment, euh... ah putain, horreur, il s'est allié aux guises. Mais bon, et ça pour vous dire que même ses fils qui supportaient pas les guises, ils ont fait, ouais, non, mais c'est parce que papa, il est vieux, là, il perd un peu la tête. <laughs> si c'est pas merveilleux. Donc voilà. Alors, sur un de mes moments aussi, ce que j'ai retenu de ma lecture aussi, c'est que visiblement, c'était quelqu'un qui avait l'air un peu bourru. Un peu bourru, un peu brutaux, euh, pas forcément un grand intellectuel, si on peut dire la chose, hein. hein, ce qui fait un peu surprenant, parce que quand tu le regardes comme ça, t'as l'impression que le mec, il a l'air super sympa, avec son petit sourire en courant, ouais, je suis cool, je suis sympa, mais visiblement, c'était plutôt une grosse brutasse, pas forcément très délicat, chose qui va apparemment se transmettre dans la famille, hein, puisque, euh, ouais, à plusieurs reprises, il faut quand même remarquer que les moments ainsi, c'est pas des intellectuels et c'est pas des délicats. Hein, ce qui semble d'une certaine manière s'opposer aux guises qui, eux, avaient l'air d'être moins con Enfin, d'un certain point de vue, hein, parce que bon, guise et conneries, pour moi, ça rime. Donc. Euh... Voilà. Et en plus de tout ce merdier, il se trouve que Montmorency a été un grand mécène à son époque. Hein. Il se trouve que le, le château de Chantilly, avant que ça devienne le gros, euh, le gros chouchou de Stéphane Bern qui est passé à la royauté. Bah, C'était un des châteaux d'Anne de Montmorency et il a fait, fait beaucoup d'aménagements. Et il possédait aussi le château euh, d'Écouen, j'espère que je prononce bien. Et c'est là aujourd'hui, euh, actuellement, un château sur bah, les, les temps modernes, la Renaissance, etc. Euh, D'ailleurs, c'est au Musée des Invalides, au château de Chantilly et à Écouen, je crois. Il y a une espèce de triple exposition qui est en train de se mettre en place autour des guerres de religion. bah je vais y aller <laughs> Je veux y aller. Et je peux pas y aller, il y a pas de train chez moi. C'est la merde. Bref, donc voilà. Donc un truc de fou. Euh, honnêtement les gens à de moments ainsi si vous avez envie d'en savoir plus, déjà demandez à Wikipédia et puis je suis sûre qu'il y a des bouquins. Mais euh, moi je vois le bouquin que j'ai lu sur les moments ainsi sur toute... enfin qui englobe à peu près toute la famille. Enfin, les garçons, on va s'en dire hein euh, les filles euh... <laughs> les filles hein. <laughs> Écrit, écrit par une autrice en plus, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Voilà. Alors, notre an de moment aussi Quelque chose d'un peu rigolo. Dans le bouquin que j'ai lu, il faut remarquer qu'il n'aime pas les gonzesses. Et quoi Ouais, les gonzesses, les nanas Les poufias Il dit qu'il euh, qu aimait pas les nanas. Alors, il faudra que cette formule, un jour, il faudra la reprendre et détailler qu'est-ce que ça veut dire il n'aime pas les femmes. Parce que étant donné que le mec, il a fait pas moins de 12 putains de gamins avec sa gonzesse, je veux bien croire qu'il n'aimait pas les femmes, mais je crois qu'il avait su suffisamment d'intérêt pour la chose pour réussir en faire 12 avec sa gonzesse. Hein. Bon, il est mort assez vieux, mais quand même, quand on fait 12 avec ta gonzesse... Voilà. Et je ne pense pas que les mecs, ils se limitent à 12 coups de quéquette dans leur vie, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que, oh, surprise, il a eu un bâtard. Il obéissait aux précepte de l'Église sur la procréation. Je sais pas. Mais voilà. Quand tu fais, quand es un bon catholique et que tu fais douze gomins avec ta ta, ta, ta gonzesse, mm -hmm. des fois c'est un peu suspicieux. Bon, vous me direz, les mecs qui prennent des libertés, il hein, n'y a pas un seul cardinal de Lorraine ou de Guise qui n'ait pas fait de maux. Hein. Je déteste les cardinaux de Lorraine. Est-ce que tu as le grand... ouais, mais regarde, il y a des gens, ils en font trois ou quatre, ils en font pas douze, hein Regarde Louis XIII, il y en a fait que deux. <laughs> non, mauvais exemple, mauvais exemple, mauvais exemple, mauvais exemple. César de Vendôme, il y en a fait que trois. César de Vendôme préférait peut-être les hommes. Mauvais exemple, mauvais exemple, mauvais exemple. <laughs> On en parle des fausses couches d'Anne d'Autriche. <laughs> mauvais exemple Mauvais exemple Mauvais exemple Bon, visiblement, elle en a fait que deux ou trois des fausses couches, d'Anne d'Autriche, donc c'est pas tant que ça. Ouais. Moi, j'ai une copine, je la citerai pas. Euh, sa, maman, sa maman a fait huit grossesses, elle a eu trois enfants. Hein. Donc, combien même Anne d'Autriche aurait fait trois fausses couches et deux gamins, le ratio est pas si dégueulasse. Et euh. Tu vois, les langues se délient à ce sujet-là. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de nanas. Euh, elles font des fausses couches. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus courant que ce qu'on dit. Hein, J'ai beaucoup, beaucoup de copines. Euh, elles te diront qu'elles ont fait des fausses couches. Hein. Bref, parlons de trucs plus sympas. Bref. Donc, notre petit Anne de moment Si. Hop là, il va épouser ta-ta-ta. Alors, il faut que je la trouve. Parce que bon, il y a... y a beaucoup de portraits. Et évidemment, à l'époque, les nanas se ressemblent toutes. Et bien sûr, comme j'ai très mal à noter mes portraits... Ah, mais je l'ai vu tout à l'heure! Bah! Je l'ai vu tout à l'heure! Voilà! Hop, oh, la photo, les photos sont un peu trop petites, je vais les agrandir. Hop là! Donc, on va reprendre les bonnes habitudes. Et là, on va agrandir un peu. Donc, un de mon, mon Ranci. On va écrire mon mot aussi 50 millions de fois dans ce truc, ça va être pénible. Hop là. Donc notre petit Anne, il épouse Madeleine de Savoie. Tend. Alors, ne me demandez pas où elle se situe dans l'arbre de Savoie. Je ne sais pas. <laughs> Je ne sais pas. J'ai essayé d'aller regarder et c'est un petit peu le merdier. Donc non. Je ne suis pas allé voir. Mais je pense qu'un jour euh, l'arbre généalogique de la maison euh, de Savoie va avoir besoin d'être repris, revu et peut-être un peu corrigé. Parce que je passe beaucoup trop de temps à tomber sur des membres de la maison de Savoie dont je ne sais pas où, où ils sortent. Donc à un moment il va falloir agrandir tout ce merdier. Alors, cette euh, Madeleine de Savoie, c'est pas non plus n'importe qui, puisqu'elle est la fille de René de Savoie, qu'on appelle euh, le Grand Bâtard. Donc bon, déjà, ça commence à poser les choses. Il hein, y a 10 histoires de bâtard, bâtardise. Je suis en train de me demander si le Grand Bâtard de Savoie, c'est pas le mec qui a été légitimé, puis délégitimé, puis pff, bref, vous le prenez pas possible. Bref, la maison de Savoie, c'est merveilleux et d'une nana qui s'appelle Anne de l'Ascaris. Alors, c'est des noms que j'ai déjà vu circuler, donc je reprendrai ça un jour. Oui, on se refera à la maison de Savoie un jour. Et il se trouve que cette Madeleine de Savoie, euh, c'est la, 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 la nièce de Louise de Savoie. Hop, Louise de Savoie, on la connaît. Elle est là. Donc, notre Madeleine, c'est la nièce de celle-là. Et oh, Louise de Savoie, qui sait? Eh bien, c'est la maman de François Ier. Donc voilà. Là, vous voyez comment ils sont déjà en train de se faire les connexions. Alors, j'entends mes deux pimpins, ils sont là. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc, grosso modo, quand un de moment assis se, se marie avec cette madeleine de Savoie, il n'épouse pas n'importe quoi. Elle est nièce de la mère du roi. Euh... Voilà. Et elle appartient à la maison de Savoie. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, je pense que le couple va bien marcher, comme je vous ai dit, parce que ça va faire pas moins de 12 putains de gosses. 12 putains de gosses. Alors, pour des raisons pratiques, je vais vous les lister dans l'ordre. Mais ça va pas être l'ordre dans lequel je vais vous les présenter euh, sur l'arbre parce que sinon ça allait être trop le merdier parce que vous allez... ouais mais vous, vous allez comprendre quand on va faire l'arbre de toute façon euh, vous verrez bien. Alors dans l'ordre Éléonore, Jeanne, François, Catherine, Marie, Henri, Charles, Gabriel, Guillaume, Anne qui est une fille, Louise et Madeleine. Ouais, ça fait beaucoup de gamins. On est d'accord Hop là! Allez, on est reparti avec nos petits traits. Alors. Hop là, hop là! Et voilà. Donc, on a nos deux pimpins qui se marient. Et c'est là que ça va commencer à pondre. Et là, mes enfants. Oui oui je sais c'est tout petit hein, mais euh Nya... hop là on tire un grand trait on va le remettre là voilà. et euh, je pense que notre trait là il est déjà trop petit hein, mais on verra ça au fur et à mesure donc nous on va commencer hip 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 ici avec une première fille, alors qui n'est pas la première née, hein, euh, je le rappelle. Parce que sinon, on s'en sort pas. Et on va commencer avec Jeanne. Alors, où est-ce qu'elle est, Jeanne Que je la trouve. Voilà, Jeanne. Hop, on agrandit un peu les photos. Parce que quand je les ai, quand je les ai réglées euh, pour qu'elles soient plus petites de la taille originale, j'ai fait un peu trop petit. Hop là, voilà. Donc, on a Jeanne. Le premier qui me semble Jeanne et Cher, je, je lui pète les genoux. On est d'accord Alors. Alors. Je vais mettre du Jeanne. Parce que euh, j'ai la flemme de rajouter deux mon morancy à chaque fois. On n'est pas sorti des roses. Alors, Jeanne. Bon, comme n'importe quelle fille, elle va se faire marier. Et elle va être mariée. Euh, je crois que j'ai pas grand chose à raconter. Alors, il y a beaucoup de, de personnages. Je vais pas forcément avoir grand chose à raconter dessus. Alors, soit parce qu'ils ont des listes qui sont longues comme un putain de bras et je peux pas. Soit, bah, dans ce cas il y a des filles. Bon, ben, bah, les filles, quoi. On n'a rien à dire. Un plat pour, pour Jeanne. Les seules choses intéressantes que je peux vous dire, c'est qu'elle a été fille d'honneur de Catherine de Médicis. Donc Catherine de Médicis, Catherine de Médicis, hein, femme d'Henri II, Henri II, Henri II, euh, euh, Henri II euh, qui aime bien Anne de Montmorency, comme son père, enfin blablabla. Bah, vous voyez quoi Et après, elle a été euh, dame d'honneur d'Elisabeth d'Autriche. Elisabeth d'Autriche, je rappelle, c'est la seconde épouse de François Ier. Ah, les Médicis, bah... De toute façon, on va parler de Henri II, donc à un moment, il y a bien Catherine qui allait apparaître. Euh, voilà. Voilà, souvent chez les nanas, j'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez Elles sont un peu là pour faire potiche. Hein pardon. Pardon, pardon. Et je suis pas sur mon écran, voilà. Si j'essaie de zoomer en partir d'OBS, ça va pas marcher. Donc, on a Jeanne. Donc Jeanne, hop là. Elle va avoir le droit de se marier. Hop là. Plat. Il est où alors parce qu'il a une tête de con, lui, je m'en souviens. Et là. Il y a une bonne tête de con. <laughs> C'est pas sa faute, hein. Elle épouse. Yap là. Louis III de la Trémouille. Je ne veux aucune blague avec Trémouille. On est d'accord. Ces blagues sont censurées. Voilà. Alors, pareil, la famille de Trémouille, c'est une ancienne famille euh, noble très connue. Hein, euh... Non, je ne veux pas travailler sur ces gens-là. Non, j'en ai marre. Non, ils sont moches. Regardez Donna plutôt. Regardez Dodo. Hein, regardez Donna. <laughs> regardez Donna et oubliez-moi. Donc. Le seul truc que, que je peux vous dire sur ce Louis de la Trémouille, sans rentrer dans des hordes de de considération, euh, c'est qu'il est le fils de François de la Trémouille, ouais, et de Anne de Laval. Et là, vous vous souvenez, Laval et Gilles Doré, mon bon Laval Hein vous, vous, vous sentez un peu de trois trucs là, un peu chelou qui se passe Bref. Toujours des trucs chelous. Et bon, c'est juste que le mec, qui va être tué au combat, hein, mais ça va pas l'empêcher de faire euh, au moins potentiellement 5 chiards avec sa gonzesse. Ah, hop là. Alors, évidemment, tous les gamins, on ne va pas en parler parce que visiblement, certains euh, meurent jeunes. Donc, évidemment, ceux qui meurent jeunes, ça ne nous intéresse pas. Oui, Gilou! Gilou-gilou. Et donc nous, on va s'intéresser à, grosso modo, deux gamins qui vont, qui vont avoir. Alors, on va s'intéresser au, au garçon qui s'appelle Claude. Hop là. Alors, il est où, mon petit Claude. Il est là. Par contre, son père a une tête de con. Lui, je pense qu'il a bien hérité de sa mère parce qu'il a moins une tête de con. Bon, après, le portrait fait pour beaucoup, hein. Alors... Euh... Claude... Faudrait que je mette des, des majuscules, mais ça me fait... C'est m'embête. bête. Hop là. Donc, Claude a très mouillé. Donc, lui, c'est un garçon. Il va faire chez ses parents. Il va se convertir au protestantisme donc, vous commencez à, à des âges, sentir un petit peu euh, le bordel. Voilà. Et notre charmant garçon va se marier. Parce que, oui, il a le droit de se marier. Alors, il va pas falloir que je me gourre. Parce que il euh, y en a 50 000. Alors. Si je dis pas de conneries, c'est elle. Si je ne me trompe pas, c'est elle. Et attention la demoiselle, elle, elle s'appelle. On va, on va zoomer un peu. Charlotte. Alors vous verrez, euh, chez les Montmorency, on adore le prénom Charlotte. C'est infâme. Alors elle, c'est pas Montmorency, mais bon. Brabantine. Je vous jure, la meuf s'appelle Charlotte Brabantine. Je pense qu'il y a des gens qui ont des noms plus faciles à porter maintenant. Hop. Et elle est issue de la famille Orange Nassau. Alors la famille Orange Nassau, c'est plutôt une famille du Nord. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et sachez que pour des raisons pratiques, si on a le temps, on fera un petit aparté sur la famille euh, d'Orange Nassau. Parce que vous allez voir, on en a quelques-uns qui se baladent dans l'arbre. Oui, tu vois la joie, le bonheur et la félicité sur mon visage. Ça c'est voit que je suis heureuse <laughs> Pitié, sauvez-moi. <laughs> Hop. J'arrive pas à tomber mes commandes sonores. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Il faut savoir que ça va niquer et ça va faire des gamins, mais on va s'arrêter là avec eux. Hein Surtout que quand on commence à toucher avec la famille d'Orange Niasso, on a beaucoup d'alliances qui se font avec les... des parties bah, de, de, de tout ce qui va être les Pays-Bas espagnols. Enfin, la Belgique, ça n'existe pas, mais elle est une partie du Saint-Empire germanique. Donc là, on rentre dans des lieux, des domaines que je ne connais absolument pas. Donc, on va pas trop se, euh, se mouiller. Mais voilà. Elle, je voulais en parler. Et vous allez voir qu'on va en retrouver à d'autres endroits. Parce qu'il est possible que, si je dis pas de conneries, ça soit elle. Elle a été élevée par sa belle-mère. Et il est possible que sa belle-mère appartienne déjà à la famille des Montmorency. Tintin, Mais on verra ça peut-être plus tard. Peut-être plutôt dans le deuxième live. Si ce n'est pas trois. Non voilà. Après, pour revenir à Jeanne, euh, elle a eu une. Je vérifie parce que j'ai plein de personnes où j'ai pas les portraits. Alors, elle est où Elle est où Putain, c'est pas la bonne. Elle est où J'ai dû la perdre. Il y en a trop, il y en a trop. Putain, je la trouve pas. Ta ta ta. Je la trouve pas. Comment ça se fait Il Doit y avoir une couille dans le pâté. Oh, ça m'agace. J'ai marqué que j'avais une photo, donc c'est que je dois l'avoir quelque part. Attendez. On va aller vérifier Wikipédia. Anne, fais voir. C'est bien. Tu vas à partir d'un de moment si tu trouves tout le monde. Alors, Jeanne, hop là, ta fille, Charlotte, ah bah oui, je sais pourquoi je la trouve pas, je sais, <laughs> je sais pourquoi je la trouve pas, parce que je suis un peu con, je regarde peut-être pas dans, la... dans le bon dossier, hein hein là j'étais dans le dossier maison, mon aussi, mais peut-être que elle, je l'ai déjà sortie à un moment dans une autre putain de maison alors, oh, euh. Hop là. Hop Charlotte Peut-être que si vous suivez assidûment ses lives, peut-être que son visage vous dit quelque chose Est-ce que ce doux visage vous dit quelque chose par hasard Hein Oui Non Si vous me dites non, c'est que vous n'avez pas, pas bien suivi mes lives. Parce qu'il s'est déjà retrouvé à plusieurs endroits dans mes arbres. Hop. 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 Hop là. Hop. 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 Regardez qui est là Regardez qui est là Et oh ta Non mais il y a trop de monde dans tes livres Elle était pas... Ch... Non, non mais, clairement, les Montmorency, dans les chimères, ils sont pas là. Clairement. Enfin, si, il y a elle, elle, là, juste là, elle, enfin, il y a eux deux, là, Là, il y a, y a fouture foutu de merde ici. Mais voilà. J'avais pas forcément prévu de faire l'arbre de généalogique de celle-là. Là Donc. Oh, bah tiens Notre Charlotte, qui est une petite de. Euh, de hâte de moment aussi. Oh, elle se retrouve chez les bonbons qu'on dit donc <laughs> Donc, retour à la case départ, ne pêchez pas à 20 000 euros. J'aurais dû faire un copier-coller, mais pff, la flemme. Alors, du coup, elle épouse Henri Ier de Condé. Tête, tête de con, mon pauvre. Du coup, ils vont avoir deux petits. Tios. Alors, mon petit Henri II. Parce que moi j'aime bien Henri II de Bourbon-Condé. C'est un, un, pauvre, un pauvre garçon qui n'a pas de chance. Je l'aime bien, lui. Il est con, mais c'est pas grave. Je l'aime bien. Hop là. Et il a aussi une sœur. Hop là. Elle est là. Ah, là, on fait vite parce qu'on en a déjà parlé. Hop là. Donc, on va tirer les petits traits. Hop là. Hop là. Ouais je fais tout, moi, tout ça c'est moche mais c'est pas grave. Hop là. Hop là. Donc on va remettre les noms de tout le monde. Donc Henri Ier de Bourbon. Prince de Condé. Moro Condé Pardon. Bon sang que vous êtes communiste, ça crève les yeux. Donc ici on a Henri de Bourbon. J'écris ça n'importe comment. Condé. Prince de Condé. Hop là. Alors, pendant que je fais ça, j'en profite pour rappeler que notre petit Henri n'a pas connu son papa. Ouais, c'est triste. Que elle est. Au nord de Condé n'a aussi pas beaucoup connu son père, parce qu'en fait son père euh, meurt. Hein. Il se fait défoncer la gueule, un truc de fou, le pauvre. Si je dis pas de conneries, si c'est lui, euh, euh, bah, bataille, il se rend, il y a un mec qui le reconnaît, euh, il lui éclate la gueule à coups de pistolet. Et euh, alors, si, je sais plus si c'est lui ou celui d'au-dessus, bon, c'est pas grave, hein, ça fait de la petite histoire. Ils, le mettent ils mettent le cadavre sur un âne et ils se foutent de sa gueule. Bravo les catholiques. Oui parce que ça c'est euh, ça protestant hein. tous euh, ça ça c'est protestant. Enfin lui il est catholique parce qu'il a dû être élevé comme catholique parce que potentiellement il était l'héritier d'Henri IV jusqu'à ce qu'Henri IV ait des vrais gamins. Donc voilà mais ça c'est protestant ça c'est du protestant ça c'est du protestant ça c'est du protestant et oh. On va remettre les petits post-it, euh, les petits post sexistes. Et elle, elle se marie avec un certain, alors attendez, le Guillaume, putain, je crois qu'il qu a un nom à la con lui. Est-ce que je l'avais mis là Ouais, Philippe Guillaume d'Orange, hop là, j'y étais presque. Voilà! Et alors? Et là, j'avais des choses à dire sur Henri. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas. Euh... On va pas tortiller du fion sur Henri, parce qu'on n'est pas, pas sur lui, hein, mais voilà. Lui. Euh... Ah non, mais tu je suis pas sur le bon. Je me trompe dans les. Je me trompe dans les pages. Ah oui parce que oui je suis débile parce que eux on les a pas je les ai pas développés et euh, vous voyez là Philippe Guillaume Orange 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 vous commencez à la sentir un peu les couilles dans le pâté hein vous commencez à les sentir les couilles dans le pâté <laughs> on verra si on a le temps de faire un petit aparté euh... un petit aparté sur la famille d'Orange mais vous la sentez le pâté vous la... vous la sentez la merde Alors, je vous ai montré tout à l'heure ce petit bout d'arbre de l'autre côté, mais lui, vous avez remarqué qu'il a épousé une certaine Charlotte de Montmorency. On va y venir. Ça va, Dodo Alors, parce que du coup là, euh, on va s'arrêter sur ce pour qui est de Jeanne, donc l'une des filles d'Anne de Montmorency, Anne qui était un garçon, je précise. Donc voilà, ça commence. Et déjà vous commencez à la voir un peu le, le merdier qui se balade ici. Vous commencez à le sentir. Et allez, on va mettre le petit plus. Hein, le petit plus traditionnel. Pour dire qu'il y a eu des gosses en plus, mais que ça ne nous intéresse pas. Ou qui sont mort-nés. Euh, Qu'ils sont morts qu sont devenus abbés, AB, baisse, On s'en tamponne. Donc voilà. Donc, il faut savoir que notre petite Éléonore de Condé, là, elle n'aura pas d'enfant avec son mari, mais visiblement, le mariage, il sera quand même heureux. Donc, tant mieux pour eux. C'est con parce que je suis sûre que, elle, j'ai la... le portrait de son mari. donc. Alors, suivant. Oh putain, le suivant. Le suivant, les enfants, il va falloir vous accrocher un petit peu. Parce que le suivant, c'est. Henri. Alors. Henri. Alors, où es-tu mon gousiou Alors. Henri, Henri, t'es où Il y en a trop. Et comme je ne sais pas lire, évidemment, pour retrouver le nom. Henri. Henri, voilà. Henri, qui en plus a bien une tête de con aussi. Ils ont tous des... Été... Alors, visiblement, euh, ils ont un trait un peu génétique, les Montmorency. Visiblement, ils ont un peu les yeux de traviole. ça visiblement cette famille. Alors, Henri, Henri, premier de Momorancy et un être en trop. Hop là, voilà. Donc. Je veux pas dire que c'est à cause de lui que ça commence à devenir ça partir à cacahuète mais si, un petit peu en fait. Allez, on s'accroche. Ça commence à devenir le merdi. Alors, parce que notre petit Henri, là, Je vous rappelle que j'ai laissé un grand espace de l'autre côté, c'est pas pour rien. Notre petit Henri va faire un premier mariage avec Antoinette de la marque. Alors, elle est où Elle est là. Yep là ah, Alors, Antoinette de la marque. C'est pas la dernière des merdes non plus. Vous allez comprendre. Alors, Antoinette. Je vais écrire Antoinette n'importe comment. Alors notre petite Antoinette de la marque ses parents alors ses parents pour des raisons pratiques je ne vais pas les mettre ici parce que sinon ça va être un peu le merdier mais si on a le temps on fera un petit encart famille la oui on va faire un petit encart famille la marque <laughs> âge généalogique est infâme donc Antoinette de la marque ses parents c'est Robert Delamarque, alors j'ai envie de dire que lui, euh, on s'en tamponne euh, l'oreille euh, avec une babouche. Par contre, sa mère, c'est Françoise de Brézé. Alors, Françoise de Brézé, ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais peut-être que vous connaissez mieux sa mère à cette Françoise de Brézé qui est Diane de Poitiers. Donc, la maîtresse, la grande maîtresse, le grand amour d'Henri II parce que oui, Diane de Poitiers, avant d'être la, la grande maîtresse d'Henri II, elle a été mariée avec. Euh, comment il s'appelle son mari Alors, De Brézé, mais son nom m'échappe. Le grand sénéchal De Brézé. Et ils ont eu deux filles. Alors, il y en a une de filles. Elle est rentrée dans la famille de Guise. C'est dégueulasse. Et l'autre, ben, est rentrée dans la famille de Lamarque, hein, qui était une famille assez importante du nord de la France. Hein. Et donc, euh, ben. Oh Premier mariage et ça va faire des bébés évidemment parce que les gens euh, bah, ils aiment bien faire des bébés sinon c'est pas drôle hein alors ils vont faire des bébés alors nous on va pas se mentir il n'y a que deux filles qui nous intéressent dans ces dans les bébés qui vont faire hop là hop là j'ai pris j'ai pris beaucoup d'espace hein, j'aurais pu euh, rapetisser un peu Fallait bien occuper les longues soirées d'hiver. Tu parles, les mecs, ils étaient toujours en train de se battre à droite, à gauche. Euh, je suis d'ailleurs. Su... D'ailleurs, on pourra louer euh, la fidélité de ces gonzesses. Alors que leur mari, passe leur temps à droite, à gauche. Et ils auraient pu aller passer leur temps à niquer à droite, à gauche aussi. Hein. Mais non, c'est des femmes respectables. Alors. La première. Qui s'appelle. Oh! Charlotte Hop là Hop, Charlotte. Alors la photo est dégueulasse, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc. Charlotte de Montmorency. -Mont Hop là. Alors c'est Charlotte de Montmorency. -Mont elle va épouser un mec qu'on a déjà plus ou moins évoqué dans, autres, dans nos autres arbres. Oui, mais euh, quelqu'un qui est déjà dans un de nos autres arbres. Pardon. Alors, sauf qu'il n'est pas dans la maison de mon Ancy. Euh, où est-ce que je l'ai rangé ta, ta, ta. Il doit être là. T'es où, mon petit T'es là, mon petit, qui est... Oh mais vous vous souvenez de lui Qui c'est Qui c'est les gens Est-ce que vous avez bien suivi votre leçon Qui est ce petit Hein Hein Ce petit C'est Charles d'Angoulême et j'écris ça n'importe comment. Et Charles de Rougoulet, il est... Ah Oh, oh Tadam Il est là Alors oui, par contre, c'est pas un fils légitime, c'est un putain de bâtard. Pardon mon garçon, hein. Donc c'est le fils de Charles IX qu'il a eu avec Marie Touchet, sa maîtresse. Et... On va le retrouver ici parce qu'il se trouve que Charles d'Angoulême, c'est le demi-frère d'Henriette d'Antrague. Henriette d'Entragues, hein une maîtresse d'Henri IV avec qui il va faire deux putains de gamins. Là. Voilà. Puis bon, voilà. Puis là, on a, on a le fils de Magique Jean-Louis. Hein, parce que voilà, il fallait que je parle de Magique Jean-Louis. Hein, euh... Voilà, il fallait, il, il fallait que je parle de Bernard, euh, fils de Magique Jean-Louis. Mais peut-être qu'on reparlera de Magique Jean-Louis dans notre arbre. Bref, donc encore des gens qu'on connaît. Et ça va faire des gamins, mais on va pas forcément s'y intéresser plus que d'aventure. Ouais, C'est merveilleux les arbres généalogiques, hein. C'est merveilleux. Quand je dis ils se, ils se reproduisent entre eux, les gens. C'est un truc de fou. Alors. Une autre fille qu'on voulait voir de Henri Ier de Montmorency et d'Antoinette de La Hop là. Alors alors, elle s'appelle. Faut que j'entende dans le beau dossier. Ta, 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 ta Hop là, c'est Marguerite. Putain, ça change, Marguerite. Alors. Alors pardon, j'ai juste un, un truc dégueulasse, hein, je sais pas d'où ça. À mon avis, c'est une photo qui a été prise quelque part. Donc c'est dégueulasse, mais euh, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc Marguerite, hop là. Je suis déjà obligée d'ouvrir mes papiers. Alors Marguerite, j'en ai déjà marre d'écrire mon mot ainsi toutes les cinq minutes. Et on... Bon, si je fais des fautes dans les noms, c'est pas grave, hein, je corrigerai plus tard. Alors, Marguerite. Marguerite, on va les laisser là pour l'instant. Hein. Mais sachez que Marguerite aura la chance d'être mariée. Mais, ça, c'est pour après. Oui, 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 vous pouvez vous dire, oh oui, ça sent le caca. Donc, on a dit, là. Hop, voilà, ça arrive donc. Numéro 1. Après, il arrive des choses tristes, hein. c'est que femme numéro 1 meurt. Donc, qu'est-ce que fait monsieur hein Monsieur. Oh, bah, il va prendre femme numéro 2. Alors, et femme numéro 2... Hop, hop là, là. Alors, est-ce que... Oui, normalement, elle est censée... Être... Je suis en train de vérifier, j'ai mis une photo. Oui, normalement, j'ai une photo. Voilà. Hop là. Voilà. Elle est là. Bon, j'ai envie de découper la photo, mais j'ai eu la flemme. Hein. Alors, elle, cette dame, elle s'appelle... Louise de... Budos. J'entends les chats qui sont en train de se battre, ça m'agace. Alors, c'est de Louise de Budos, c'est la fille de Jacques de Budos, je sais pas qui c'est mais c'est pas grave, et de Catherine de Clermont-Montoison. Alors, Clermont, ça peut peut-être faire titre dans vos têtes hein, parce qu'il y a la famille de Clermont-Tonnerre qui est assez connue. Hein. D'ailleurs, il y a encore des Clermont-Tonnerre actuellement. Je me demande si c'est pas une réalisatrice ou une actrice qui s'appelle Clermont-Tonnerre. Sally, si t'es toujours là, que tu écoutes, peut-être que tu connais mieux que moi. Bon après c'est du cinéma français, euh, bon bah voilà. Bref, la famille Clermont, Clermont-Tonnerre, c'est une grande famille. Donc là on est sur du clermont montoison donc à parier que c'est euh, que c'est une branche cadette. Bref. Donc euh, quand elle épouse, euh, elle épouse une première fois un mec qui s'appelle Jean de Gramont, mais euh, je sais pas si euh, chance pour euh, Louise ou je sais pas quoi, le mec meurt au bout d'un an. Donc euh, à 17 ans, elle est veuve. Donc je sais pas si c'est un, un bon un bon présage ou pas pour elle, mais elle épouse quelques temps plus tard donc Henri Ier de Montmorency. Alors lui est un poil plus vieux, hein. Euh, on peut pas savoir. Et euh, bah, le mariage va quand même être heureux. Et ça va nous emmener à pouf de... de moufler. Alors, je tiens à préciser que quand lui, là, 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 Monsieur Kilouche, avec sa moussage de merde, quand il, ré... quand il répouse elle, euh, je vous ai dit qu'il est déjà assez âgé. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces deux-là, ils vont avoir deux morpions. Enfin, du moins deux qui nous intéressent vraiment. Je vais jamais avoir assez de place. Hop là. Alors, ils vont avoir un, un premier garçon. T'es où Voilà, ta père a une tête de con, mais toi, tu rendais plutôt bien. Et je vais pas avoir assez de place. Attendez. Hip. Voilà, merci. Donc, ils vont avoir un fils. Henri de... De mon... mon. je suis sûr que j'ai écrit mon mot si » n'importe comment, mais j'en ai marre, je corrigerai plus tard. Et... Et une fille que vous connaissez déjà. Attendez, hop, voilà, vous verrez mieux, vous verrez mieux. Vous allez commencer, ça va commencer à faire tilt dans vos têtes. Vous la connaissez déjà, la petite, la petite fille qui vont avoir. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, Bourgon-Condé Vous êtes là. Et... oh Coucou Tana Et on aura encore une Charlotte Tana Donc maintenant, vous connaissez la musique. Hop là Hop là. Et là, euh, donc on aura. Là en dessous, on aura euh, Anne-Geneviève. Et Anne-Geneviève, elle envoie du pâté. J'aime cette meuf. Euh, Louis II. De Condé. Hein, puisque euh, lui, son père, il s'appelait Louis. Donc Louis Ier, etc. Louis II. Le grand Condé. Hein, le grand con. Hein, voilà. On a un secret d'histoire spécial sur lui. Hein, on parle à peine de sa soeur, mais c'est pas grave. Et le petit prince de Conti, euh, Armand. Ils ont appelé leur gamin Armand. Mais je suis sûre qu'ils l'ont appelé Armand pour lécher les couilles de Richelieu. Ça, j'ai aucun doute sur l'histoire. J'ai aucun doute sur l'affaire. Bref. Voilà. C'est chouette, hein Et euh, donc voilà. Alors, il faut savoir que notre Louise de Budos, visiblement, elle était considérée comme très belle parce qu'il est possible qu'un certain Henri Keket 4 lui soit passé dessus aussi. Hein mais visiblement, ça n'a pas duré longtemps. Et euh, je sais pas, chance, malchance, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais visiblement, elle serait aussi morte d'éclampsie, comme Gabrielle d'Estrée. Je suis sûre que c'est un lien avec la quête d'Henri IV. <laughs> Pardon. Voilà. Donc, notre petit Henri ici. Euh, comment vous dire donc il a une carrière militaire, une carrière un petit peu compliquée et euh, notre Henri II de Montmorency là, il a fait une grosse boulette dans sa vie. Vers 1630, il s'est dit Ah oh, putain, j'irai bien comploter avec Gaston d'Orléans. <laughs> Vous la voyez la grosse connerie arriver Vous la sentez la connerie arriver Comploter avec Gaston d'Orléans, avec Gaston la Girouette. Donc, notre petit Henri II de Montmorency, comme il est un petit peu con, donc il va comploter avec Gaston. Hein. Je rappelle que Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, il va passer sa putain de vie à comploter contre son frère. Mais comme c'est le frère du roi, il s'en sort toujours le petit fumier. Ce qui est malheureusement un petit peu moins le cas euh... bah, de tous ceux qui ont comploté avec lui. Et en fait, dans une bataille dans le Languedoc, dans le sud de la France, parce que les Montmorency ont par histoire un peu compliquée, Ils se sont emplantés dans le Languedoc, dans le sud de la France, où lui, il était. Euh, bah, en fait, notre Henri II de moment aussi va se faire défoncer la gueule à la bataille de Castelnaudary. C'est pas forcément très très loin de chez moi. Il va se faire défoncer la gueule, hein. il charge comme un connard, il se fait blesser, il se fait capturer. Sauf que comploter avec Gaston d'Orléans, contre le roi, ça s'appelle un crime de lèse-majesté Et qu'est-ce qui se passe quand on est accusé de crime de lèse-majesté. J'ai une commande sonore pour ça. Hein, hein Qu'est-ce qui se passe Quick La guillotine Bon, il n'y a pas de guillotine à l'époque, mais le pauvre va y laisser sa tête. Et voilà pas oui, il n'y a pas la guillotine à l'époque, mais bon, euh, y a quand même une... il va quand même se faire raser de près. Et oui, quand on est con, on est con, hein qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon. Alors, notre animal va se marier avec une jeune demoiselle qui s'appelle Marie Félicie Fé Orsini. Euh, qu'on appelle aussi Félicité des Ursins. Parce que voilà, la, la dame hein, va, après la mort de son mari, hein, va prendre le voile et entretiendra avec affection, hein, regardez, le souvenir de son mari. Et on notera que malgré toutes les supplications de, de Charlotte, ici présent, euh, elle a, Charlotte n'arrivera pas à faire sauver la tête de son frère. Bon, en même temps, les moments aussi, ils aiment bien jouer avec le feu avec Louis XIII. Hein, parce que Louis 13 il va nous en décapiter plus des de moments aussi. Hein. En même temps, quand on est con, on est con. Donc voilà. Mais c'est pas fini On n'a pas fini Parce que là, Monsieur Super Kékette, là. Hein Hop là Il va. Quand sa numéro 2 meurt, et eh ben qu'est-ce qu'il va faire Il va se remarier. Alors où est-ce qu'elle est, qu est Où est-ce qu'elle est, qu est Hop là. Là. Donc il se marie. Avec une certaine... Laurence de, de, devinez quoi, Clermont-Montoison. Et, dis donc, Louise de Budos, sa mère, c'était pas une Clermont-Montoison non plus hein Et bah oui, il se trouve que cette nana-là, c'était la tante de celle-ci <laughs> bon, après, on va pas se mentir, visiblement, euh, Louise de Budos meurt. Euh, cette espèce de super quéquette la ambulante, euh, il va réépouser Clermont-Montoison très rapidement derrière. Euh, j'ai envie de dire presque un peu en secret, euh, sans l'autorisation papale. Alors, j'ai pas bien compris, mais comme visiblement, c'est la tante de celle-ci, il y avait des histoires. Sauf que... Entre le moment où il est censé l'épouser sans l'accord papal et à partir du moment où l'accord papal arrive, euh, bah, le problème c'est que ces deux-là ils s'entendaient déjà plus et euh, donc elle elle voulait absolument faire confirmer le mariage, lui non, donc ça a été un boxon pas possible et en fait il va la reléguer euh, dans une de leurs, euh, une dans leur, de, 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 de dans un de leurs domaines et puis euh, voilà et ça va pas bien ça va pas vraiment bien se passer mais bon j'ai quand même l'impression que les textes ont laissé entendre de dire que, eux, quand ils se sont retrouvés, euh, ça y est allé costaud, hein. Mais voilà, ça a duré un mois, un mois et demi, deux mois, puis après c'était fini, c'était l'apocalypse. Et ben oui, quand on joue au con, on joue au con. Hein Donc, voilà. Bon, ça a l'air assez triste parce que finalement, euh, elle, dans cette histoire, elle a été très malheureuse de, de, de cette affaire, hein, euh... C'est triste pour elle, parce que je pense qu'elle ne l'avait pas forcément mérité. Bon, après, te jeter dessus sur la veuve de sur le veuve de ta nièce, c'est quand même pas très chute-chute non plus, mais... On rappellera qu'à l'époque, il y a quand même beaucoup de nanas, pour changer leurs conditions sociales, c'était obligé de passer par le mariage. Et bon, bah, l'animal visiblement était... Elle a peut-être les yeux qui louchent, mais t'es pas si moche que ça. Et voilà, la famille Momorancy, c'est pas la dernière famille de merde. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez C'est déjà pas mal ce petit début <laughs> Hein C'est déjà pas mal Hop, voilà. C'est déjà pas mal, hein Qu'est-ce qu'on s'éclate J'ai pas une commande pour dire qu'on s'éclate. Ah euh, si. Je sais plus comment je vais appeler. Ouais, on s'éclate. Alors, on va continuer. Parce que je vous rappelle que lui, là, Anne euh, de aussi, il nous en a pondu douce. Bon, ok, il y a trois filles qui viennent à la baisse, donc euh, on va être à peu près tranquille, mais bon, on va continuer. Alors. Suivant. Hip, hip, hip. Hop là. Alors, gamme suivant. Hop, ça va être Catherine. Catherine. Alors alors. Voilà. Catherine. Alors, Catherine. Hop là. Catherine. Alors, Catherine, elle épouse un mec. Alors, je dois bien avouer qu'avant de travailler sur cet arbre, j'avais jamais entendu parler euh, de cette famille. D'ailleurs, lui, on va lui mettre un petit carré. Petit carré bleu sexiste, hein, bien sûr. <laughs> Parce que c'est un garçon, donc on met un carré bleu, évidemment. Hein. Point sexiste. Un mec qui s'appelle Gilbert. Non, hein, Anaïs, ce n'est pas frère Gilbert. Trois. Lévi. Et non, Lévi, c'est pas un juif. Ça a été rigolo. Ça aurait été même cool. Mais non, voilà. Donc, euh, qui est une famille visiblement du plus ou moins centre de la France. J'avais jamais entendu parler de cette famille avant. Donc, bon. Visiblement, c'est d'être pas forcément des gros nazes, hein parce que bah, les moments-ci, c'est pas de la merde. Et bon. Ça va faire des bébés. Quelques-uns. Alors évidemment nous on va pas s'intéresser à tous les bébés. Hein. Hop là. Tout ce qu'on pourra dire, c'est qu'ils vont avoir un garçon ben, qui va s'appeler comme son père. Gilbert. Pète ton nom génial. Et ils vont avoir un autre garçon. Je précise bien un autre garçon. Hop là. Qui s'appelle Anne. Parce que oui, vous avez bien compris que Anne, c'est aussi un prénom de garçon. Hein Anne de Montmorency, hein, on avait compris. Hein. Euh, je rappelle au passage que Philippe est aussi un nom épicène. Hein. Je vous rappelle que René II de, de Lorraine a épousé Philippe de Garde. Hein. Et comme ils ont fait au moins 14 gamins, oui, c'est bien, une fille, bien être une fille, Philippe de Garde. Et même Henri est un prénom qu'on peut donner à des filles. Et là, toute l'extrême droite est en PLS. Et là, je pense que mes enfants. Non, c'est pas grave, vous avez compris. Hop là Yep Tanin Et on fait un petit lien. Et ça va encore faire des bébés. Donc lui, il s'appelle Anne de Lévis. Je sais que c'est n'importe comment. Hop là et surprise, on se marie entre cousins! Si c'est pas merveilleux, tout ça! Si c'est pas beau! Ah là là! Qu'est-ce qu'il est pas merveilleux, cet arbre, les gens! Vous commencez à comprendre ma souffrance quand il faut faire tous les liens entre ces gens-là! Christine Boutin approuve. Donc voilà! Donc là, voilà un peu les liens en sachant qu'on est à trois enfants. Bon, vous me direz, on aurait pu mettre moins d'espace ici, hein Mais c'est pas grave. C'est bon les gens, vous en sortez, vous survivez, hein Vous en sortez. Comment ça va vos cerveaux est-ce que ça y est, vos cerveaux sont en compote Est-ce que vous avez déjà perdu le Nord Et moi, ça va être ma dernière bolée, c'est triste. Je crois que vous avez tous survécu. Alors, on va continuer dans ce cas-là. Parce qu'on en a encore un bon tripoté de gamins. Oui, j'étais déjà fatiguée avant le début du live, donc là, je ne reste plus grand-chose de mon cerveau. Ben, C'est le principe des, soir des soirées compotes, hein, de faire que vos cerveaux finissent en compote. Hein <laughs> C'est bien là, la soirée compote mmh. C'est Rufus qui m'a à une soirée compote. Complot. Alors. On va repartir par là. Et là, j'ai envie de dire les gens... On va avoir une petite branche tranquille. Si tu fais une interrogation après, j'aurai zéro. Non mais t'inquiète pas. Euh, je pense que même moi après, j'aurai zéro. Alors, on va passer. Un garçon. Oh là. Par contre, c'est la tristitude. Hip. Hop. J'ai pas de photo. Je trouve ça bizarre j'ai pas de photome de guillaume alors guillaume de montmorency qu'on appelle aussi touré hein, parce que bon bah papa euh, il distribue des terres aussi donc euh, voilà donc notre petit guillaume alors pareil guillaume il nous emmerde Pas et c'est un mec qui est compliqué. Il nous emmerde parce que il est catholique. Mais euh... après la Saint-Barthélemy, hein, ce truc merveilleux où on a cramé du, pro... on a buté du protestant à tir la il va se rapprocher de ce qu'on appelle du parti des malcontents. Grosso modo, c'est plutôt des catholiques, plutôt, hein, et quelques protestants qui sont contre la politique du roi, mais pas, mais. Pas contre sa personne. Hein, c'est un peu compliqué. Ils sont pas contre le roi, ils sont contre sa politique. Gna, gna, gna. Et euh, l'une des têtes de liste de ce parti des malcontents, c'est François d'Alençon. Euh, c'est le tout petit dernier euh, d'Henri II et de Catherine de Médicis. Hein, euh, vous savez, le petit dernier qui a droit à rien. Qui a tellement le droit à rien qu'il a trouvé le moyen de mourir. Euh, avant, avant son frère Henri III. C'est con, sinon c'est lui qui aurait pris la couronne. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux Il faut savoir que lui, c'est aussi un petit peu comploteur, hein, soit compote, hein, puisqu'ils vont participer à des complots et euh, pour, avec un autre de ses frères qu'on verra plus tard, ils vont être obligés de prendre la poudre d'escampette en Allemagne. Parce que oui, c'est bien de comploter, mais quand on complot, il foire. Euh... Ah ben c'est con ça. Alors. Notre petit chéri, hop là, il va se marier une première fois avec une anna qui s'appelle Léonore Dumir. Hip là. Alors, bon, après, petit truc un peu tristounet, euh, ils n'auront pas d'enfants. Bon, c'est des accidents qui arrivent. Hein, euh... Hop là qu'est-ce que vous voulez C'est ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'aurais peut-être pu la mettre un peu moins loin. Pareil, vous deux, j'aurais pu vous mettre un peu moins loin. Hein. Vu toute la place que ça prend, c'est la merde. Donc du coup, comme il n'a pas eu d'enfant avec numéro 1, bah, quand un numéro 1 euh, va mourir, eh ben, il va se marier avec numéro 2. Numéro 2, elle s'appelle Anne de Lala. Et là, cette Anne de Lala, il va falloir je vous dise un truc à propos de cette meuf. Donc, il va y avoir un mini pouce qui nous intéresse. Enfin, moi qui m'intéresse, cette Anne de Lala. Comment vous expliquer Cette meuf, c'est une Montmorency. Alors, évidemment, si elle ne part pas le nom de Montmorency, c'est parce qu'il euh, y a eu des mariages, des choses comme ça. Et je vais vous expliquer que les montmorency c'est la merde. Donc en fait, quand on remonte un peu plus par là, au-dessus, au-dessus de Anne, on va trouver un montmorency qui, avec deux mariages successifs, va foutre un boxon pas possible et va donner naissance à une branche des montmorency qui va plutôt être située, euh, ouais, Belgique, Pays-Bas, Hollande. Pays-Bas, Espagnol, bref, dans le coin, par là-bas. Et euh, cette autre branche va faire sa niche par là-bas. Alors, on va pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on n'est pas encore sorti des... de ronces. Mais voilà, il faut juste savoir que cette âne de Lalin, c'est un peu une branche des Montmorency, située plutôt dans le nord de la France. Enfin, je ne sais même plus si on peut parler vraiment de français dans le cadre de ces gens-là. Mais voilà, donc, elle a du Montmorency euh, sur deux ou trois, quatre générations au-dessus. Donc là, voilà. c'est rigolo, hein Voilà, puisqu'en fait, elle est fille d'Antoine de Delalin et de Éléonore de Montmorency. Alors par contre, je n'ai pas essayé de m'emmerder à essayer de retrouver les liens, parce que sinon, on n'était pas sorti des ronces, on allait trop remonter. Mais voilà, il y en a un, il va avoir deux épouses, il va y avoir une branche française et cette branche... Euh... On va dire la branche nordique, c'est plus simple. Donc en fait, cette anne de la lin, c'est une euh, momancy euh, éloignée. Alors, là j'avoue que euh, si j'ai détaillé un peu l'arbre, c'est parce que je me suis fait euh, un petit plaisir personnel. Ah, je vous montre. Donc, ils vont avoir une fille. Ma... Je vais y arriver. Madeleine. Ça ne pas comme ça Madeleine. Voilà. Hop là. Cette Madeleine, elle va pas épouser le dernier des connards. Puisque elle va... Viens par la toi. Épouser. Non. Elle va épouser Henri de Luxembourg. Euh... Si je dis pas de conneries, Duc du, du pinay ou de pinay, je sais plus. Bref, c'est pas le dernier euh, le dernier des merdes, puisqu'il est de la famille du Luxembourg. Ne me demandez pas le lien avec le Luxembourg aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre, mais bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, euh, c'est quelqu'un plutôt de classe. Hein On n'épouse pas des gueux dans la famille, et ça va faire. Des gamins. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est un de leurs gamins. Hop là, enfin plutôt une de leurs gamines. Et normalement, pour elle, j'ai une photo. Alors, elle est où Elle est où Elle est où Ah, voilà. Marguerite Charlotte. Ah, on est bien les... Alors oui, c'est euh, un portrait euh, qui est dégueulasse. Hein hein Donc, elle s'appelle... Marguerite Charlotte. De Luxembourg pour le coup, parce que... Yeah. Je vous ai dit, ils bien les noms Charlotte dans cette famille. Hop là. Donc là, on s'entamponne pour l'instant. Ça ne nous concerne pas. Hop là. Et elle va épouser. Hop là. Un certain Léo d'Albert. Alors, Léon, t'es où T'es où, mon petit Léon Il là un portrait dégueulasse. Hop là. Il y a le petit Léon qui se trouvent ici. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, celui-là Donc Léo d'Albert qui va devenir du coup euh, duc de Luxembourg et du Et en fait, si lui, je l'ai sorti des fagots, euh, c'est très égoïstement parce qu'il euh, apparaît dans, dans Chimère dans mon manuscrit chimère, puisqu'en fait, Léon d'Albert, c'est le frère de Charles d'Albert, qui est le favori de Louis XIII, et donc qu'on voit apparaître. Voilà. Donc c'était juste très égoïstement pour moi, hein, euh, pour permettre de situer un peu les choses. Et ça va faire des gosses. Voilà. Mais on sort. Ça, franchement, c'était le truc dont on s'en fout, euh, c'est le bordel. Voilà, mais voilà, c'est juste que moi, ça m'amuse un peu euh, dans le cadre de mon travail perso de faire ça. Ce qui est en fait assez hein, intéressant dans ce mariage, c'est qu'en fait, euh, la famille d'Albert, pas d'Albret, Albert, pas d'Albret, en fait, ces gens-là, c'est de la petite noblesse de, Pro de Provence. Et euh, on va être honnête, si lui, son frère, n'avait pas été le favori de Louis XIII, clairement, il n'aurait jamais pu épouser une dame de cette qualité, en fait. Clairement, il n'aurait pas pu. Donc euh, autant dire qu'il y en a qui ont du cul. Bref. Donc voilà, ça c'était pour le petit Guillaume. C'était rigolo. Et là, on ne va pas se mentir, c'était court, c'était simple, c'était merveilleux. C'est bien de se marier plusieurs fois, mais en fait, quand on ne fait pas 15 gamins, euh, c'est plutôt pas mal. J'ose pas imaginer si Anne de Montmorency s'était mariée 15 fois. Donc voilà. On a agrandi un peu l'arbre, mais évidemment c'est pas fini. Et là, on va commencer à reprendre un peu de bordel. <laughs> on va reprendre un peu de bordel. Alors, ouais, c'est un peu la merde. Alors, clairement, le trait là. A... Alors, enfant suivant. Éléonore. Alors, Éléonore. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que là, le Henri du Luxembourg, machin, euh, il est euh, affilié euh, à la maison euh, de Lorraine, puisque euh, sa mère vient de la, de la branche euh, Oma, là, des ducs d'Oma, Donc, c'est de la maison de branche de Lorraine. Bref, c'est la merde! Bref, Donc, Eleonore. Eleonore, où es-tu Voilà, alors Eleonore, j'ai pas de vrai portrait, hein. euh, j'ai que ça. Je devrais faire plus, il faut que je mette plus petit, il faut que je zoome et que je fasse plus petit. Voilà. Et alors Eleonore aussi, ça va être rigolo. Alors, notre petite Eleonore. Alors bien sûr, sur elle et Eleonore, je n'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Malheureusement, c'est une meuf. Voilà. Oh, j'y arrive tellement plus. Hein, c'est une meuf, donc malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire sur elle. Et Eleonore, elle va épouser un mec, dont en fait... J'ai rien trouvé, il n'y a rien sur Wikipédia et compagnie, donc euh, bah, on va s'en passer. Hop, ce mec, c'est François 3 de la... Oups. De la pour... Do... Regardez. Alors, des fois... Ai... Mais si je vais trouver un portrait lui. Si, 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 non, mais je dis de la connerie. Hop. Maintenant que je le dis. Mais si je lui ai trouvé son portrait, lui. Attends. Ah, ah J'ai le chat qui fait ses griffes Sur mes jambes Qui c'est qu'elle est là Qui c'est qui vient m'embêter Qui c'est qu'elle est là Oh ben bah. Regardez qui vient faire mes griffes, ses griffes sur mes jambes. Regardez la petite Odine. Allez Odine elle est tellement petite que je peux la prendre à une main. Hop <laughs> Et voilà, Odine Regardez le gros saumon là <laughs> Coucou, Odine <laughs> C'est l'histoire de la vie <laughs> Bon, oui. Et tu sais, les, les genoux de maman, c'est pas pour faire ses griffes. Hein c'est pas pour faire ses griffes. Oui, Odine n'aime pas qu'on la porte. Hein, ça, c'est pas nouveau. Bon, on recommence. Donc, Eleonore, elle épouse François 3. De la tour. Odine, t'as foutu en l'air toutes mes notes. Et la tour de Vergne que j'ai des fois trouvé sous un autre nom. Donc, on va rester sur le nom de la Tour d'Auvergne. Parce que c'est vachement plus simple. Alors, Rachel, si t'es toujours là, Tour d'Auvergne, est-ce que ça te dit quelque chose par hasard Alors, tu ne me demanderas pas le lien, je ne serai pas capable de te répondre. Mais la tour d'Auvergne, euh, c'est la mère de Catherine de Médicis qui est de la, est de la famille de la Tour d'Auvergne. Ne me demandez pas le lien entre lui et la mère de Catherine de Médicis. Je ne pourrais pas vous le dire. Il y en a un quelque part, mais où Je ne peux pas tout savoir. Alors, ça va faire des bébés. Ça va faire des bébés. Et là les enfants, on va s'éclater. Alors, on va s'éclater, on va faire comme on peut. Donc là, il y aura une euh, fille. Euh, Est-ce que je vais l'avoir Je ne sais plus, je n'ai pas marqué. Donc ce ne doit pas être le cas. Non. C'est bien ce qui me semblait. Ils vont avoir une fille. Non, j'ai dit une fille. Je m'aimais dire Rose, parce que c'est sexiste ici. Donc on m'a dit Rose pour les filles. Donc, qui s'appelle. Magdeleine, et j'écris ça comme ça, on s'en fout, j'écris mal. Et elle va épouser un mec. Oh Comme c'est drôle Il est où Hop là, le mec, il est là, et il s'appelle... Oh On aura de savoir de savoir. Alors, mes notes que Audite m'a foutu en l'air. Voilà. Et ne me donnez pas, ne me demandez pas où cette honora de voix. est. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est dans la maison de Savoie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. <laughs> Pardon. Pardon, il fallait que je le fasse. Voilà. Je n'ai aucune idée de où il est. Je vous ai dit un jour qu'il faudra refaire la maison de Savoie parce que c'est un. Bref. Mais bon. Parmi les enfants, il y en a un qui nous intéresse. Ah, il nous intéresse. Vous savez qui c'est Est-ce qu'il est là Oui, bien sûr qu'il est là. Il est où T'es où Non, c'est pas toi que je veux. Ah, il est là. Qui c'est Et non, c'est pas magique Jean-Louis. C'est pas magique Jean-Louis. C'est le duc de Bouillon. Oh Pardon. Je m'excite tout seul. Donc, lui, c'est Henri de la. J'écris super mal de la Tour d'Auvergne. Alors, Henri de la Tour d'Auvergne, il faut savoir que euh, c'est un bon copain d'Henri IV. Enfin, j'ai un bon copain d'Henri IV. Hein. On va très relativiser le bon copain euh, d'Henri IV. Hein. Euh, voilà, puisqu'il faut savoir qu'il a peut-être un petit peu beaucoup comploté contre Henri IV. Hein. Euh, pourtant, euh, c'est quand même quelqu'un qui a grandi à la cour. Hein. Puisqu'en fait il est orphelin super jeune. Hein, ses parents meurent. Euh, lui, je crois qu'il s'est buté à la guerre. Bon, bah sa maman en meurt. Euh, hein, les fausses couches, tout ça, tout ça. Hein, et voilà. Et en fait, il est attaché à la maison de François d'Alençon. Ah, mais bon, François d'Alençon, il va trouver la bonne idée de mourir aussi. Et c'est pendant son expérience à la cour hein, qu'il va se lier euh, d'amitié avec euh, celui qui sera le futur Henri IV qui à l'époque n'est que Henri III de, de Navarre, hein, puisque Henri III, Henri IV, avant d'être Henri IV, IV, était Henri III de Navarre. Enfin bref, c'est la merde, hein, ils font chier à changer de titre, c'est cons-là. Euh, donc il va il se convertit au protestantisme, hein, donc c'est un putain de protestant, Un hein, mon gousiou. Et euh, il se trouve qu'il va ouais, beaucoup comploter, et il va avoir très très chaud à son cul dans ce qu'on appelle l'affaire Biron. Alors peut-être qu'un jour je potasserai cette affaire Biron pour vous parter, parler de ce complot. Parce qu'on en parle très très souvent euh, dans les bouquins que je lis. Et bah le duc de Bouillon, il va s'en sortir de ce complot parce qu'il va euh, faire amende honorable entre guillemets, à Henri IV. Il va lui lécher les couilles. Hein. Euh, alors que le duc de Biron, qui était aussi un bon copain de Henri IV, lui par contre, il va pas plier et euh, bah du coup il va y laisser sa tête. Ouais, voilà. C'est le jeu ma pauvre Lucienne. Alors. Seulement <laughs> avec notre petit camarade, ça commence un peu la complication. Donc, il va se marier une première fois, parce que bon, c'est sûr que c'est toujours euh, c'est toujours compliqué quand il se marie plusieurs fois. Alors, où est-ce qu'elle est, qu est Que il me pas. Il épouse Charlotte de la Ça vous dit quelque chose, Charlotte de la Charlotte de la marque, j'ai oublié un C. Voilà, voilà. Charlotte de la marque, j'adore sa tête. Elle est trop mignonne. Charlotte de la marque, est ce qu'on n'a pas un... est ce qu'on n'avait pas un de la marque Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Là. Ah bah oui, dis donc, on a une autre de la marque dans le truc. Oh Qu'est-ce que c'est que ce Vince On fera un aparté la marque, hein On va faire un petit aparté la marque hein, euh, après, parce que ce bordel les gens, ce bordel. Hein je vais vous faire un petit aparté. Je pense que ça sera, ça sera, mieux pour vous après. Donc, il va se marier une première fois avec cette Charlotte de la marque, et il faut savoir que euh, avec la demoiselle, il euh, n'y ben, aura pas de petit. Hein, parce que voilà, c'est triste, c'est comme ça. Il euh, n'y euh, aura pas euh, de Petiot. Mais par ce mariage, euh, notre Henri de la Tour d'Auvergne, il fait quand même un super bon coup parce qu'en fait, du coup, il va hériter de la principauté de Sedan. Parce que oui, à cette époque, Sedan est une principauté. Ça a bien changé. Hein. Donc il hérite de la principauté de Sedan, donc il devient prince de Sedan. Et, et je me la pète. Et c'est là aussi qu'il récupère le titre de duc de Bouillon. Parce que lui n'est que Henri de la Tour de d'Auvergne. Donc par ce mariage, le mec, euh, il s'en sort bien. Bon par contre, ben comme il n'a pas eu de bébé avec la première, évidemment, notre petit camarade s'est marié avec... Avec... Elle est où Elle est là Elle s'appelle... Elisabeth d'Orange nassau Elisabeth d'Orange nassau Et là, vous allez me dire, mais des oranges Nasso? Il y en a un là, il y en a une là! Qu'est-ce que c'est que ce Bins? On fera un petit aparté sur les oranges nassau pour comprendre un peu ce bordel sans nom. Alors là, par contre, il euh, y en aura des gamins, hein, puisqu'il y en aura au moins 8. Et euh, parmi les gamins qui vont avoir, je ne vais pas développer ici parce que ce n'est pas ton autre sujet, euh, va y avoir celui qu'on appellera le Grand Turenne, en fait, qui va être un très grand général de l'armée de Louis XIV. Et qui va euh, mourir au combat en prenant un boulet en pleine gueule. Pas de pauvre. Hein. Enfin, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Donc voilà pour. Euh... Le côté est au nord. Ça va Vous survivez Vous en avez marre Vous voulez qu'on s'arrête Hein Parce que là, euh, il nous en reste encore quelques-uns. Alors, il nous en reste un, deux, trois, quatre... Il nous en reste quatre à faire. Bon, en sachant que les suivants, euh, ça va être très très, très rapide. Euh, parce qu'il n'y a pas de descendance. Et on va garder le meilleur pour la fin. Évidemment. Évidemment. Bon, allez, si on finit, euh, je vais aller vers le meilleur. Alors, suivant. Hip. Alors, le suivant, c'est Les Petits François. Alors, Les Petits François, il est où? Alors que je ne me cours pas parce qu'il y en a 50 qui s'appellent François. Voilà, hop là, le petit François. François de... Faut que je zoom de mon, mon... rang Hop là. Et alors ce François, niveau gonzesse... Il va pas, il va pas trop se faire euh, entre guillemets euh, arnaquer, euh, arnaquer, Enfin, c'est un bien grand mot, hein. puisque il va épouser une dame qui s'appelle Diane de France. Et en fait, Diane de France, c'est une bâtarde d'Henri II. Hein, François Ier va envoyer son fils faire les guerres en, e en Espagne. En Italie et euh, d'une petite euh, noble et, euh, italienne, Filippa euh, Dulci, il aura cette fille Diane de Poitiers. Euh, de Poitiers pff, non, Diane de France. D'ailleurs, il y en a qui pensent que ça si s'appelle Diane c'est Par rapport à Diane de Poitiers, hein, un euh, mystère de gomme. Donc, ce François, il épouse une bâtarde d'Henri II. Donc, autant vous dire que c'est pas dégueulasse comme mariage. Hein On est d'accord. Ok, c'est une bâtarde, mais ça, quand même, ça reste quand même une meuf de la famille royale. Et euh, voilà. Alors, euh, Diane de France, il faut savoir qu'elle n'aura pas d'enfant, malheureusement. Et elle va vivre assez longtemps, hein, puisque je pense qu'elle meurt à 80 ans. Il faut savoir que notre petit François, euh, c'est le fils aîné de Anne de Montmorency, aussi. Ce qui explique probablement pourquoi il épouse une fille bâtarde d'Henri II. C'est le fils aîné. Donc, évidemment, il a quelques prises du village. Bon, manque de peau, hein, ils n'auront pas de gamins. Et il faut savoir que, bon, bah, c'est un catholique. Hein, il est catholique comme son père. Hein, ça, euh, les moments Montmorency, entre guillemets, il n'y a pas trop de du cul. C'est des catholiques. Mais euh, à un moment, il prendra le parti des malcontents, hein, dans ce qu'on dans, dans qu avait dit, hein, le, le, le camp de François d'Alençon. Bon, voilà. Sauf que, il bah, n'y aura pas de gamins, il n'y aura pas de gamins. Donc, à ce niveau-là, ça s'arrête. Alors, garçon suivant, qui va pas forcément faire mieux. Hein. Hop là. Le garçon suivant, c'est Charles. Alors, je pense que c'est lui. Hop là. Charles. Je suis toujours un tout petit, ça m'énerve. Montmorency, et lui on l'appelle Mérou. Parce que ben euh, il a récupéré sûrement les terres de Mérou. Alors toutes blagues avec des poissons sont interdites. D'accord, pas de pas de blagues. Alors lui pareil, c'est comme quelqu'un qui va faire une bonne carrière euh, militaire. Hein puisqu'il va être euh, colonel général des Suisses, puis des Suisses et Grisons, hein, puisqu'il y a les Suisses, après il y a les Grisons, donc c'est les Suisses-Grisons, enfin bref, on va pas se tortiller du cul. Hein. Et euh, il va quand même vivre assez longtemps, puisque Louis XIII, Louis XIII, hein, donc entend dire qu'il a vécu vieux, hein, euh, le frère, duc et père de France. Bref, le mec a pas trop mal raté sa carrière, hein, même s'il a fait un peu le con de sa vie, euh, malheureusement pour lui. Il va épouser une demoiselle avec qui il n'aura pas d'enfant. Et cette demoiselle, elle s'appelle René de Cossé. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose sur cette demoiselle. Euh, si ce n'est qu'avant, apparemment, c'était quelqu'un, c'était plutôt une intellectuelle. Euh, quelqu'un d'assez savante. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que quand on en parle, je vous le mets dans le chat, ils écrivent savante comme ça. Une Horreur savante, c'est cédille, c'est dit Pourquoi, pourquoi les gens, pourquoi voilà? Donc, cette année de Cossé, j'ai pas trouvé grand chose, hein, pas de photos, etc. Rien. Mais visiblement, c'était une femme savante, une lame de lettres, et celle qui a traduit en français euh, la cité de Dieu de Saint Augustin. Donc, visiblement, c'est pas la dernière des merdes, mais bon, j'ai rien trouvé à son sujet. mais... Oh là là Des informations sur une femme savante en France oh Bon, j'ai rien trouvé. Je dis pas qu'il n'y a rien, mais en, en tout cas, moi, entre Wikip Wikipédia et Roglo, j'ai pas trouvé grand chose. Donc c'est un petit peu la un peu la tristitude, mais bon, qu'est-ce que vous voulez euh... C'est comme ça. Alors, ensuite. Encore un garçon. Gabriel. Alors Gabriel, je n'ai pas de photo. Hop là. Alors Gabriel, je suis obligée d'en parler parce que bon, il fait partie euh, de, des gens qui ont fait partie de la... qu'on pas aux guerres de religion. Hein. D'ailleurs, lui, oh, c'est plutôt mon béron. Hein, parce que bah, papa, papa distribue les terres, donc on récupère les terres qu'on peut. Et voilà, lui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mort à la bataille de Dreux. Ne me demandez pas ce que c'est la bataille de Dreux. Euh, je me suis pas amusée à, à me remémorer toutes les, euh, toutes les batailles qu'il y a pu avoir pendant les guerres de religion, parce que surtout, je suis, sinon je suis pas sortie des ronces. Hein bon, j'ai surtout qu'à voici, ils ont cramé des protestants parce que c'était rigolo. Mais pff, à part ça, euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, donc voilà, Gabriel, pas grand chose à dire. Euh, je lui ai pas trouvé d'épouse. Il a pas eu de gosse. Goodbye, the end. C'est fait. Et maintenant, ah maintenant les gens, c'est là qu'on va s'amuser. On va s'amuser, je suis heureuse. Alors, on va terminer avec une fille. Enfin, hop là. Il faut savoir que là, en, en bout de ligne, euh, on pourrait rajouter encore trois filles, euh, bah, Anne, Louise et Madeleine, mais elles seront à baisse. Donc, on va pas trop s'emmerder avec elles. Hein. Je suis désolée. Euh, voilà, mais bon, il y y restera trois filles qui ont été... Bah ben oui, à un moment, euh, on ne peut pas marier tout le monde. Bref. Donc là, on va avoir une fille, et c'est Marie. Elle, euh, Marie de Montmorency. Alors, Marie de Montmorency... Du fait que j'ai dit que la famille avait quelques attaches au Languedoc... Donc le Languedoc, c'est pas forcément si loin de chez moi... Euh, elle va épouser, euh, j'ai pas de photo non plus, un mec qui est quand même pas le dernier des merdes, qui est euh, Henri de Foix, j'écris Foix n'importe comment, et bah qui est l'héritier des comtes de Foi. Donc il y a encore à Foix aujourd'hui, il y a encore le château, etc. Donc voilà. C'est pas le dernier des merdes, hein. son père bah, c'est un comte de foi et sa mère c'est Françoise de la Rochefoucauld. Et oui, la Rochefoucauld c'est exactement la même famille que la Rochefoucauld comme vous pensez. C'est ça, tout à fait. Alors, le petit couple, il faut savoir que, euh, je sais pas si on dit chance, malchance, hein, c'est relatif. ils vont avoir que deux filles. Alors. Il y a une première des filles, il y a euh, Françoise. Hop là. Y a la petite Françoise. Hop, Françoise, euh, elle héritera pas du domaine familial, euh, déjà parce que je crois que c'est la cadette, et que, ben, euh, elle rentre dans les ordres. Donc évidemment, hein, euh, Françoise de... fois On dit foix candale. Pour son père... Je sais pas pourquoi on dit que deux fois. Candale, voilà. Mais elle, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a une sœur. Hop Marie... Euh non, Marguerite, c'est bien ce que me dit Marie. Marguerite. Je commence à fatiguer aussi. Marguerite de fois Candale. On va y arriver. Arrive. Marguerite de fois Candale. Candale, voilà. Donc, deux filles. Or, il se trouve que cette petite Marguerite de foix elle va épouser quelqu'un. Je suis sûre que si vous êtes là, vous savez de qui je parle. Je suis sûre. J'en suis certaine. Hein Elle va épouser un mec que je kiffe, que j'adore. S'il y a des gens qui me connaissent, pourquoi tu ne veux pas sélectionner mon truc Hop là. Je suis sûre que vous savez de qui je parle, hein Bon, tu vas au dodo Ok, bah bonne nuit, Sally À demain, bisous Bah oui, ça commence... Oui, c'est vrai que Sally, t'as des grosses journées, donc c'est normal, t'es un peu fatiguée. Et alors, qui c'est qu'elle épouse, regarde deux fois, quand dalle hein Je vous le donne en mille. Je suis sûre que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. Il est rangé, là, l'animal, d'ailleurs. Oui, il est là, l'animal, il est là Regardez, regardez comme il est beau Regardez comme il est beau ce con. Non, il n'est pas beau, mais c'est pas grave. Qui sait, lui Qui sait, qui sait, qui sait Rachel, t'es toujours là, je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Ouais, c'est magique Jean-Louis. Et là, je viens de saturer le micro comme une connasse. C'est magique Jean-Louis. C'est notre adoré. Hip. Hop là. Jean-Louis de Nogaret, de la Valette. Mon cerveau ne sait plus. Comment ça, ton cerveau ne sait plus Elle épouse Magique Jean-Louis. Alors oui, pour les gens qui seraient ici, qui ne connaissent pas euh, euh, Magique Jean-Louis. Mais vous connaissez D'Artagnan Mais D'Artagnan à côté de magique Jean-Louis mais c'est une merde d'artagnan je parle du d'artagnan historique hein, pas du roman pas du d'artagnan de Dumas dans ses romans mais historiquement qu'est-ce qu'il a fait d'artagnan il a rien fait il a juste exécuté l'ordre de Louis XIV d'arrêter Fouquet il a rien fait c'est de la merde d'artagnan magique Jean-Louis ça c'est un vrai putain de gascon qui va faire chier de Henri III jusqu'à la fin de Louis XIII il a presque enterré tout le monde et Sushi vient de sauter au plafond. <laughs> C'est l'effet magique Jean-Louis. <laughs> C'est l'effet magique Jean-Louis. Et magique Jean-Louis et Marguerite de Foix. Donc, notre super magique Jean-Louis a épousé une petite fille d'Anne de Montmorency. Et évidemment, on va pas les remettre là... On enfin, va... Si on va les remettre... Hein, puisque... Euh, allez, on va faire comme ça, on va tricher. On va tricher un peu. Il va avoir trois garçons. Alors, je vais pas les forcément les mettre dans l'ordre. Alors, le. Non, j'ai dit des garçons. Ok, ils sont cons ces garçons, mais quand même. Euh, le premier, donc, c'est Henri. Ah, Henri! Henri, alors, qui va se marier, euh, on ne va pas détailler ici, mais qui va euh, divorcer. Ouais. Qui va divorcer et qui va trouver le moyen de faire un bâtard avec, euh, une des femmes du duc de, avec la femme du duc d'Oran. Bravo, mec, bra bravo, c'est génial, enfin bref. Euh, en conflit avec son père, enfin, pas, du, pas vraiment une réussite, le Henri. En deuxième, je vais mettre des, des post-it, mais euh, on a des portraits, hein. Ils sont gros, c'est gros, là alors Louis, Alors Louis c'est le petit dernier, hein. vous verrez pourquoi je vais mettre euh, le dernier ici. Louis, c'est le petit dernier, hein. c'est Louis de La Valette et il est euh, cardinal. D'ailleurs pot... en théorie, il est pote avec Richelieu hein. donc euh, voilà. Et il va faire partie de ces euh, cardinaux combattants hein, puisqu'il va mener des batailles euh, un peu à l'image de Richelieu en fait. C'est euh, à l'époque de Richelieu, on a plusieurs cardinaux comme ça qui montent sur... enfin, qui, montent, qui vont enfin, qui montent, qui vont sur le champ de bataille, donc on connaît très bien Richelieu, d'ailleurs c'est mon fond d'écran sur mon PC, hein, au Siège de la Rochelle avec l'armure, tout ça. Louis de la Valette va faire pareil. On a le cardinal infant, je crois qu'un des frères des, des jeunes frères d'Anne d'Autriche qui va faire ça aux Pays-Bas espagnols. Et on aura euh, Fucking Maurice de Savoie aussi qui va faire un peu ça. Voilà. Et euh, le dernier fils de Magique Jean-Louis, on va le mettre comme ça, hein, le petit Bernard. Hein, le petit Bernard qui, lui, va épouser une bâtarde d'Henri IV. Hein. Hop Puisque notre petit Bernard, il est là. Hein. Donc voilà. Il est là, notre Bernard, Henri IV, hein, Henriette d'Entrague, Gabriel Angélique, Bernard, les enfants, tout ça, tout ça. Et voilà Et on a fini. Yip. Et bien sûr. Il nous restait les... Hop, on va tirer ça comme ça pour mettre le petit plus. Et on a les trois sœurs. Qui vont finir à baisse. Donc Anne, Louise et Madeleine. Donc on ne va pas développer. Et ça y est les gens, on y est. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ou comme c'est le merdier. Comme vous voulez. Ah Voilà et ça, c'est vraiment qu'une toute petite partie de la, de la maison. Hein. Puisqu'on sait que là, y a, par là, il y a descendance. Là, il y a descendance. Là, il y a aussi. Là, il y a aussi. Et... Euh... Bernard. Ah, je... Bon, là, il y en a eu, mais pas of... officieux, hein, etc. Donc, voilà. Donc, la famille de Momo... Bon, là, puis oui. Là, il y a descendance. Là, il y a descendance. Donc, oui. Il y a quand même eu de la... du Momo aussi qui s'est euh, distillé au fur et à mesure du temps. Mais voilà, l'arbre. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais... Si les choses s'arrêtaient là, ça aurait été merveilleux, les gens. Hein Ça aurait été merveilleux. Parce que, malheureusement... Notre petit Anne, qui est là. Il n'est pas fils unique. Mais ça, ça sera une autre histoire. Ça, ça sera le prochain live où on va parler de sa sœur aînée qui s'appelle Louise. Et si je vous parle de Louise de Montmorency et de sa descendance, vous verrez, ce n'est pas pour rien. Puisqu'on est en pleine guerre de religion. Et durant cette guerre de religion, il y a des noms qui vont se détacher. Sur lesquels on ne peut pas passer à côté. Et il se pourrait que ces noms hyper importants, ça soit les neveux de, de Anne de moment aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors. Par contre, ce que je voulais faire rapidou... Parce que vous vous souvenez que là, on avait euh, une Antoinette de la Marque. On en a une autre chez le duc de Bouillon qui se balade ici. Donc, voilà. Je voulais vous faire rapido. C'est un petit aparté. Hop là. Donc. Ça va être rapide, hein, on va moins se prendre la tête. Donc, dans la famille, Lamarck. Donc, on a Robert de Lamarck qui va épouser. Donc, on a dit Françoise de Brézé, hein, qui est la fille euh, de Diane de Poitiers. On va, on va mettre les post-it et on fera, on fera les liens. Donc... Hein, comme euh, toujours normaux, ils vont avoir des enfants, donc on va avoir un premier garçon qui va nous intéresser, c'est Henri Robert de la marque. Or, notre Henri Robert, il va se marier avec une nana qui s'appelle, attention, accrochez-vous bien, Françoise de bourbon Vendôme alors, non, ne me demandez pas où cette Françoise de Bourbon-Vendôme se situe dans l'arbre généalogique des Bourbons. J'en sais rien. En plus, c'est Vendôme. Donc, je ne sais absolument pas sur quelle branche des Bourbons on est. Ne me demandez pas. Je ne sais pas. J'en ai marre. Ces gens-là, ils sont chiants. Donc, voilà. Donc, ces gens-là, ils vont faire plusieurs enfants. Hein, parce que, ben voilà. Et parmi ces enfants, il va y avoir Charlotte. Pardon, j'ai fait des conneries. Charlotte de la Marque. Et on va laisser ça comme ça. Hop là. Et elle, c'est elle qui va épouser Henri de la Tour d'Auvergne. Donc voilà. On va les rapprocher un petit peu. Hop là. Alors là, c'est vraiment un truc rapide, hein. Donc, hop là, hop là, hop là. Donc, ici, eux, ils sont là. Ah, nos deux tartampions ici, ils sont là. Sauf que là, on est passé par, entre guillemets, le père, par, euh, par, par Henri de la Tour de Verne. Et là, on passe par Charlotte. Hop là. Hop là. Oh, j'ai fait des flèches n'importe comment, dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Bon. Pourquoi tu veux pas me monter mon truc Bon, tant pis, on va laisser comme ça, hein ça veut pas ça veut pas Donc voilà, donc on était là Sauf que on en avait une autre Donc Antoinette de La donc elle est là. Ah et du coup, elle elle épouse bah du coup Henri Ier de Montmorency, hein. Hop là, et donc là, on sait qu'il y a descendance. Là aussi, d'ailleurs, il y en aura même plus que. Hop là, Hop là. et voilà le petit euh, rap arbre ré, euh, rapide de la maison de la marque. Donc, où on trouve Antoinette et Charlotte. Donc, je vous rappelle que Charlotte. Elle est là, donc Charlotte, Charlotte, Antoinette, Antoinette. Donc c'est les tantes et les nièces, ce qui est, ce qui est à peu près cohérent euh, au niveau des, euh, des arbres. Donc voilà. Alors, je pensais pas qu'on arriverait au bout euh, aujourd'hui. Donc euh, attendez, ça c'est un petit, ça c'est le petit aparté de la marque. Maison, la marque. Allez, on va lui mettre une petite couleur. Un petit jaune. Un petit jaune poussin dégueulasse. Hein, regardez, on a mis un petit jaune poussin dégueulasse. Donc la petite maison, la marque. Donc. Ce qui permettra de faire un peu euh, certains rapprochements. Et on avait vu que quand on a fait l'arbre, on avait euh, bah, du orange nassau ici, du orange nassau par là, et encore euh, du orange nassau par ici. Alors, le orange nassau, on le verra la semaine prochaine. Parce que samedi prochain, il y a une prochaine soirée compote, où cette fois on parlera de Louise, donc la sœur la de Anne ici. On parlera de sa sœur. Hein. Donc, on va pouvoir s'amuser déjà. Hop là. Hop là. Et là, mes amis. Allez. Hop là. Il va falloir faire un grand trait. Hop là, on pourra mettre les parents. Alors, évidemment... Euh... Anne de Montmorency et Louise, ils sont pas tout seuls. Hein. Alors d'ailleurs pour la petite blague, Anne de Montmorency là, donc on est d'accord, Anne. Anne, donc déjà pour nous ça fait bizarre puisqu'on n'a pas l'habitude de donner à des garçons. Mais il faut savoir que Anne de Montmorency a une sœur qui s'appelle Anne. Je vous jure c'est pas une blague. Il Y en a qui ont trouvé des, le moyen de donner le même prénom à une fille et à un garçon voyez, ouais, c'est pas comme Michel ou Michel ou euh, Michel E L Michel de, euh, de -L E de c'est le non Anne et Anne. Tu peux pas changer la graphie, tu peux pas changer l'écriture. Ou alors t'enlèves un N, j'en sais rien moi. Et là, ça fait un Anne, un abruti. Mais euh... d'ailleurs, visiblement, il y avait des jeux de mots pour qualifier Anne de moment aussi comme ça. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc la semaine prochaine, on va s'amuser avec le petit bout qui est là. Et je peux vous dire que. On n'est pas sorti des ronces encore une fois. Parce que c'est vous comprenez quand je dis que c'est quand même une famille assez tentaculaire et là on s'est vraiment euh, attardé sur la partie Anne de Montmorency. Je vous rappelle qu'avec Anne de Lalin, là, je vous ai dit qu'il y avait une branche plus nordique et il euh, y a toute une branche qui s'étale ben bah, euh... puis on en retrouve chez Gilles Doré en fait. Gilles Doré est un Montmorency laval. J'avoue que moi quand j'ai appris ça, j'étais assez sur le cul en fait. Donc voilà. Donc du coup les enfants, je pense qu'il va être important pour nous euh, ben, d'aller se coucher. Hein On a fait un bon live euh, de plus de deux heures. Je suis sûre que vous allez so la tête bien en compote. C'est bien là la soirée compote mmh. C'est refuse Il m'a invité à une soirée compote Complot. Voilà. Vous avez la tête bien farcie. Vous sou... Demain, vous vous souviendrez d'absolument rien du tout. Ah, mais sinon, euh, c'est absolument pas drôle. Donc voilà, pour notre petit arbre des moments ainsi. Hein, je crois qu'il n'a euh, pas forcément grand-chose à envier. Hop, on va se rapprocher. Hein. Hein, il n'a pas forcément grand-chose à envier euh, aux arbres... Euh, bah, je vous remets ici donc, euh, la maison de Lorraine. Donc on est parti euh, de René et de Philippe. Et de Philippe. Et voilà, donc là, vous avez... Euh, donc ça, c'est la branche Mercœur. Là, vous avez vraiment la branche, euh, la branche ducale. Hein, avec Charles Codard IV. Hein. Putain, mais toi, je vais te faire tellement te faire la nique, mon pote. Parce que oui, le duché de Lorraine, il aurait dû être un Nicole, hein. Il aurait dû être un Nicole. Salaud. Voilà, bon, euh, Maison de Lorraine, Gaston d'Orléans qui vient faire chier, hein, Gaston La girouette. Et euh, la branche des Guise ici. Hein, donc on commence ici avec Claude, premier de Guise, qui épouse Antoinette de Bourbon. Je ne sais pas où elle est dans l'arbre de Bourbon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pas, je veux pas savoir. Donc voilà. Donc Marie de Guise, hein, qui donnera Marie Stuart, euh, reine d'Écosse. Alors, il paraît que la légende dit que Marie de Guise était très grande pour une nana. J'ai lu quelque part qu'il disait qu'elle faisait 1m80. Ce qui, effectivement, pour l'époque, pour une nana, est quand même sacrément grande. Donc, euh, voilà. Anne d'Est, petite-fille de Lucrezia Borgia. Je ne vais pas m'emporter. Je vais pas m'emporter. <laughs> Donc, voilà. Les fouteurs de mer d'un hein. Donc, Henri de Guise. Le cardinal de Guise. Qui, là, on l'a pas mis, mais a un petit bâtard. Sinon, c'est pas drôle, hein. Donc la branche Mayenne, alors Mayenne, il y, y a de la descendance hein, sur Mayenne, mais là je ne l'ai pas matérialisée. Euh, Andes qui, quand elle perd son mari, sort mari et donne encore euh, une partie de la, la branche euh, Savoie-Nemours. Non, je ne sais pas où c'est dans la maison de Savoie. Euh, la branche au mal. Et puis la, la branche et le bœuf. D'ailleurs, pourquoi ça a bougé tout ça Hop là, voilà, c'est mieux. Et la branche et le bœuf. Et on retrouve dans la branche homale, hein, Louise de Brézé, qui est la sœur de Françoise. Hein vous vous souvenez là Françoise Là Louise, c'est sa sœur. En fait, les archéologiques, il faut les faire en 3D. Il faudrait, vous savez, des espèces de, de gants, machin, et tu fais dans les 3D, les machins, parce que putain, mais quel enfer. Vous imaginez, là, si je devais... Si je devais réunir Lorraine... Euh, Valois Bourbon. Je parle même pas des bâtards. Je parle même pas des bâtards sinon on n'est pas sorti des ronces. Mais euh... parce que voilà, là on a Gaston. Gaston, il est rela. Alors là j'avais pas développé mais Gaston il s'est marié deux fois hein. puisqu'il a épousé en deuxième noce. Euh... Enfin, de toute façon c'est une guise. C'est euh... elle est là. Elle... Euh... Voilà, j'en veux plus de ces gens. Là, regardez, on a Catherine Nogaret de la Valette. Catherine Nogaret de la Valette, c'est la sœur de Magic Jean-Louis. Pardon. C'est la sœur de Magic Jean-Louis. Donc, ça, c'est la nièce de Magic Jean-Louis. Ça, c'est la petite, petite nièce de Magic Jean-Louis. Oui, je ramène tout à Magic Jean-Louis. Et puis les Bourbons. Euh, les Bourbons qu'on dit. Enfin, les derniers Valois. Hein, euh, tout le bordel, hein. Hein, tout le bordel que ça a été. Hein, Qu'est-ce a... Qu que c'est que ce truc? Les Donc, la maison de Lorraine. La maison d'Espagne. Hein. Euh, la maison qui n'a rien donné du tout. Donc Marguerite de Valois. Puis voilà. Tous les gamins. La maison d'Espagne encore ici. La maison de Savoie ici. Oui, Victor Médé est tout petit parce que c est, c est, il est dégueulasse. Euh, la maison d'Angleterre. Les Bourbons. Les Montmorency qui se baladent ici. Claire Clémence du quelle qu'est la de Richelieu, c'est la merde. Hein Comte de Soissons, pareil, c'est le bordel, c'est la merde. Hein le mec, il épouse la, la fille de la première femme de son oncle. Putain, mais au secours, sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi. Hein Tous les bâtards ici, euh, donc les, les trois de Gabriel. Les deux petits Verneuil, le petit Moret, les deux avec Charlotte des Essarts. Ah, Charlotte des Essarts, quand même, une nana assez incroyable. Hein. Putain, il n'y a pas de bio sur elle, c'est vraiment une misère. Elle fait, deux, elle fait deux gamines avec Henri IV. Elle apparemment épouse Louis III de Guise, cardinal de Lorraine. Le mec, la meuf, ça se trouve, elle a épousé un cardinal avec qui elle a eu cinq putains de gamins. Et puis quand le mec, il meurt, elle en épouse encore un autre. Pourquoi il n'y a pas de bouquin sur cette femme pourquoi pourquoi, pourquoi pourquoi les, his les historiens arrêtaient de nous faire chier avec Henri IV <laughs> Faites-nous des choses ailleurs. Bref, les arbres géologiques, pas ma passion. Bon allez les gens, je vous ai assez saoulés comme ça. Vous avez bien morflé, euh, bien bouffé. Donc la semaine prochaine, on va conti continuer de s'amuser par là. Avec Louise de Montmorency. Et vous allez voir, ça va être aussi très folklorique. Bon, bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cela. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusé, que vous avez appris plein de choses merveilleuses sur les grandes familles nobles de France. Ouais Guillotine Et voilà. Bon, sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des lives écritures, potentiellement des lives jeux vidéo. Et samedi prochain, une nouvelle soirée compote. Allez les gens, bonne nuit. À bientôt, prenez soin de vous. Bisous.